Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away. There has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, hello, and welcome to Star Wars On Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. What a strong one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission numéro 137, enregistrée le 21 juillet 2017. Et aujourd'hui, nous on va faire une émission un peu particulière. On va parler des projets abandonnés de Lucasfilm, parce que Lucasfilm des fois se lance dans des projets qu'on ne verra malheureusement jamais, ou alors c'est en stand-by et on attend que ce soit réactivé. On va en débattre tout à l'heure. Moi je suis Sébastien Galano, vous avez peut-être reconnu ma voix, et je suis en compagnie ce soir avec Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Et avec Thomas. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc on va commencer comme d'habitude avec notre petit WhatsApp. Alors Thomas, quels sont les derniers geekeries que tu as pu faire avec Star Wars ? Eh bien alors, je suis passé donc à la librairie et puis j'ai chargé les derniers comics, ceux-là qu'on critiquera dans le prochain Star Wars littérature avec Loïc. Et puis les deux derniers, donc à savoir Vador et puis Star Wars. Et puis également, je me suis acheté Bloodline. J'en suis encore au début et ma foi, c'est plutôt sympa. Je sais pas si on peut considérer que c'est What's Up Star Wars, mais cet après-midi, j'ai été voir Homecoming et dedans, c'est rigolo quand on va dans la chambre de Peter Parker. Il y a plein de trucs. Il a moult trucs de Star Wars. Ça s'appelle du placement de produit. Exactement. Ouais, mais sauf que c'est les Hasbro des années 90, c'est ça qui est marrant. Il y a des Hasbro, ouais, c'est ça, ou des années 2000. La Death Star, c'est tu sais, ils sont. Et puis il y a la Death Star Lego du pote. Ouais. Et puis il y a le Luke, tu sais, c'est les bodybuildés des années 90. Ouais, des années 90. Il y a Jack Porkins aussi, ça c'est début des années 2000. Ouais. Il y a un peu de tout. Ouais. Mais il y a pas de figurines, il y a que des figurines de la trilogie originale. Il y a pas de figurines très récentes. Ouais, c'est vrai. Et les personnages entre eux, c'est pas très cohérent les personnages qu'il a choisi d'exposer d'ailleurs entre eux. Enfin, c'est à mon avis le. C'est du placement de produits basique. Le décorateur, enfin c'est plus pour l'étoile noire. C'est sympa, parce que quoi, voilà. Salut de ouais, c'est sympa. Franchement, l'étoile noire Lego vient de sortir, comme le dit Sylvain, et l'étoile noire Lego, c'est vraiment un peu un fil rouge dans le film. Ouais, mais on est bien d'accord, mais il y a c'est y a pas juste aussi à la limite un rôle, quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est le côté les gros geeks, voilà. Ça fait le personnage, quoi. Puis c'est, mais c'est très sympa. Moi, j'ai adoré. Hein. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Et puis sinon, Bloodline est vraiment, vraiment sympa. J'en suis qu'aux 100 premières pages, mais je m'éclate. Enfin, je développerai un peu plus mon avis dans le WhatsApp littérature. Et puis aussi le behind the scene. Vraiment, j'ai surkiffé. Ça donne vraiment, vraiment envie. Moi qui adore les aliens, là, quand on est sur la scène du casino, tu sens que, y a du potentiel, quand même. Donc voilà. Sylvain, ton WhatsApp. Alors moi, le WhatsApp, comme le collègue Thomas, j'ai acheté Bloodline. Ça a été un vrai parcours du combattant. Tu l'as fini Non, je suis à la page 106 parce que j'ai du boulot. Moi, je peux pas non plus lire pleine journée, hein, espèce de feignasse. Dis le mec qui a enfilé 20 Game of Thrones dans la journée. T'sais. Ouais, c'est ça. En fait, le truc là, c'est que franchement, faudrait demander à Pocket quand le jour de la sortie sur Amazon, il est en rupture de stock. Dans les bouquins, dans les librairies, j'habite dans le 93 à côté de Charles de Gaulle, j'ai trois zones d'activité avec au Paris Nord, Aéroville et la zone de Clé-Souilly autour de moi. Il y en a pas un seul dans les magasins Fnac, Cultura et autres. Ça a été un
même en ligne. C'est là, je comprends. J'ai fait 50 bandes pour trouver un bouquin qui vient de sortir. Ouais. Je me suis renseigné chez Curé du Nord, le magasin qui est le plus près de chez moi. Ils ont 16 magasins dans toute la France. J'ai vu le listing, ils en ont commandé 125. Et il y a Furet du Nord, donc celui à côté de chez moi, ils n'en ont commandé aucun. Au Cultura à Clé-Souillé, où finalement j'ai été, ils en ont 5. J'en ai acheté un. Et 5, ils sont sur la table, ils en ont pas de retour en stock. Alors, je vois bien que ce soit pas des best-sellers, mais là, faudrait quand même qu'on m'explique quoi. Alors moi, parce que j'ai à l'inverse. Si personne, c'est déjà le truc, c'est que un bouquin qui sort, qu'on me dise ouais. sur Amazon, il est en rupture de stock. Non, là, honnêtement, pour moi, il y a un problème. Et moi, à l'inverse, je l'ai trouvé à Carrefour en avance et ils en avaient moult, alors que d'habitude, il y en a pas autant. Hein. C'est ouais. bah là, je pige pas. C'est. Mais en fait, l'impression que j'ai, parce que sur Internet, quand t'es sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a commandé le jour J. Je me demande parce que Amazon, ils ont pas de stock. En fait, c'est les stocks de l'éditeur. Donc l'éditeur en a plus. Mais par contre, il y a des gens qui ont dû en acheter pas mal parce qu'ils devaient être, je pense, annoncés et qu'ils ont dû tous partir d'un coup, quoi. Je pense. Ou alors peut-être que le stock est parti direct, qu'il était tellement attendu, peut-être que. Non, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le concevoir, surtout de la part d'Amazon, parce que quand tu vois des éditions collector, par exemple de Batman vs Superman ou des autres de Suicide Squad à 150 boules, avec la statuette où on te dit ça fait un an, il en reste deux, tu vois c'est toujours en cours de rapprovisionnement et tout ça. Alors c'est quoi, j'ai beaucoup ta de mal théorie à croire que Pocket fait n'importe quoi ou les sort au coup de dos, parce que soit le bouquin est ultra demandé et Pocket on n'a pas prévu des masses, donc c'est pour ça que c'est en rupture de stock. Mais d'un côté, je me rends compte que les magasins, en fait, ils en ont pas commandé. Donc comment est-ce qu'un bouquin peut être à la fois pas commandé par les magasins, être en rupture de stock sur le net, ouais, et se rendre compte que tout le monde l'a préco, ou il y a un truc qui va pas. Bah moi, tu vois, j'étais à la Fnac Montparnasse, il y en avait une dizaine et il y avait pas de souci, quoi. Bah peut-être que sur Paris en lui-même il y avait du stock, mais j'ai l'impression que dès que tu passais le périph, il y en avait plus des masses. Hein. Ouais, c'est dommage. L'autre WhatsApp ouais. plus réjouissant, c'est que on a vu suprême leader Snoke in real life. Ouais, hein, c'était ça. C'est bah bouillé. Oui, voilà. On était invité à la projection presse de la planète des singes et à la fin on a eu une rencontre avec Andy Serkis qui s'en est donné à cœur joie pour. J'ai cru que c'était Danny, moi. Ah bah non, c'était pas Danny. Il s'en est donné à cœur joie pour faire des photos, pour faire des autographes. J'ai des souvenirs sympas. Voilà. Je suis pas reparti les mains vides. Et pour moi, mon WhatsApp, et ben voilà, comme Sylvain, on a pu rencontrer le leader suprême Snoke. D'ailleurs, je lui ai demandé si la rumeur comme quoi Snoke serait une marionnette dans l'épisode 8 était vraie, et il m'a dit que non, ce serait bien une image de synthèse, encore une fois, dans l'épisode 8. Et après, je me suis pas arrêté Andy Serkis parce que il y a deux semaines, avec le boulot, j'ai rencontré Mace Windu, Samuel L. Jackson pour le boulot encore. Donc c'était. Rappelez-moi de lui péter les genoux la prochaine fois que je le vois. Pourquoi? Non, toi. Ah, moi, oui. Tes genoux. Donc non, c'était assez sympa. Après, comme vous, j'ai acheté Bloodline. Mais par contre, j'en suis qu'à la page 50 parce que j'ai pas beaucoup de transport pour aller jusqu'au travail et du coup, pas beaucoup de créneaux pour lire. Et voilà, donc j'y vais doucement mais sûrement. Et qu'est-ce que vous en pensez dans les premières pages déjà, votre ressenti? C'est très bien. Bon, c'est pour top. Le moment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais, c'est très top. C'est très sympa. D'ailleurs, ça nous apprend que c'est 6 ans avant, ouais, le film, le livre, c'est 6 ans avant Réveil de la Force, et donc 6 ans avant, a priori, Ben Solo est toujours en entraînement avec Luke Skywalker. Ouais. Et donc, elle est toujours encore avec Anne. Et elle est toujours avec Anne. Mmh. Donc en fait, au mieux, ils se sont pas vus depuis 6 ans, et l'exil de Luke n'a pas duré 30 ans, quoi. Ça durait au plus long 6 ans. Un peu moins de 6 ans. On va dire, ouais, voilà. Ouais, faut vraiment qu'il. La fin du livre. Ça fait 6 ans si il est passé du côté obscur juste après la fin du bouquin, quoi. Ou la même année que le bouquin, quoi. Mais alors, on va dire 5 ans pour être plus prudent. Sinon, j'étais de passage à Londres pour mon interview de Samuel Jackson. Et là, j'étais assez étonné parce que je suis passé dans le magasin Forbidden Planet pour acheter des figurines. Et les fameuses figurines Black Series, vous voyez les 6 pouces de Hasbro là, les figurines qui durent 15 cm, qui coûtent 40 euros en France.
Et ben là, ils étaient à 15 livres, soit un peu moins de 20 euros. Donc autant dire que j'en ai profité. Ah mais je vais vraiment te péter les genoux, hein. Mais non, mais je comprends pas pourquoi ces figurines coûtent 40 euros en France et coûtent un peu plus d'une vingtaine d'euros en Angleterre. Je trouve ça assez effarant. Et je continue WhatsApp parce que c'est pas fini. J'ai été invité à la projection française de la série animée Force of Destiny, où j'ai pu rencontrer des responsables de Hasbro en France, qui m'expliquaient que oui, effectivement, c'était un peu cher les Black Series en France, mais que c'est pas Hasbro directement qui maîtrisait les prix des magasins de jouets, hélas, et qu'ils admettaient que c'était mal distribué, mais qu'il y aura des efforts faits pour l'épisode 8. Et aussi, une autre info qu'il nous a donné en exclu, c'est que... vous voyez les figurines 40e anniversaire Black Series avec des blisters un peu vintage. Et ben vu que la gamme rencontre beaucoup de succès, ben ça va se poursuivre au-delà des 40 ans. Donc je leur ai dit, mettez plein de Boba Fett dans les cartons parce qu'il va partir très vite. voilà pour mon WhatsApp. Notre dernière émission était l'émission 136 avec nos amis québécois Danny, Sébastien et Julien qui sont revenus sur la vidéo Behind the Scene. Présenté à la D23 sur les derniers Jedi. Donc si quelques détails vous ont échappé, n'hésitez pas à écouter l'émission, c'est sans spoiler. On va juste faire des spéculations ou on rentre vraiment dans le détail de l'image. Donc avant de commencer notre émission, on va remercier nos partenaires qui sont siteclan.net, Planète Star Wars, Mightinbox.net, Star Wars The Net, Star Wars Universe, Génération Star Wars et Science Fiction et Making Star Wars France. Je vais faire appel à l'amiral Akbar qui va nous faire partir en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. On va passer maintenant aux news parce que on est en plein Comic Con. Un Comic-Con qui n'aura pas de panel consacré au dernier Jedi, mais qui aura quand même Star Wars dans son contenu. Donc Thomas, il y avait quelques infos littérature. Ouais, effectivement. Alors, principalement, c'est du roman, ce qu'on a eu en plus. Donc on savait déjà qu'on avait allait avoir le comics sur Captain Phasma. Donc on va aussi avoir le livre adulte. On nous a donné un peu plus d'éléments là-dessus. Alors on va vraiment survoler l'information. Bon, on n'en a pas eu des masses, mais je vais pas trop développer parce qu'on va en reparler dans le futur littérature avec Loïc pour pas voilà que ça fasse doublon. Dans l'idée, on sait qu'il va sortir donc le 1er septembre en VO, donc aucune idée en VF. Hein. Donc c'est Delilah S. Dawson. Moi je connais pas, apparemment qui aurait fait une nouvelle. Hein. Je crois dans l'insider a priori. Et donc dans ce livre là, dans le comics, on sera plutôt centré sur l'après compacteur à ordures pour Phasma. Donc ce sera une temporalité limitée, alors que dans le roman, on serait sur une temporalité plus longue qui remonterait en fait aux origines de Phasma. Elle aurait un secret et tout au long, on la verrait grandir et évoluer et voir pourquoi dans le Premier Ordre elle a eu cette ascension fulgurante au sein du Premier Ordre. Parce qu'elle a tué plein de gens. C'est parce que c'est une grande méchante. En tout cas, c'est pas parce qu'elle a affronté des Wookiees. Hein. Ensuite, le deuxième roman voilà, qui a été développé, c'est Leia, Princess of Alderaan. Elle sort également le 1er septembre. Donc, c'est tous des romans donc un petit peu comme les Road to the Force Awakens, sauf que là, c'est pour les derniers Jedi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roman, il est écrit par Claudia Gray, et qui, visiblement, d'après ce qu'on a pu commencer de voir, maîtrise parfaitement le personnage de Leia, donc ça tombe bien. Par contre, là, c'est un roman young adulte hein, qui sortirait certainement en France sous le logo PKJ. Alors, c'est intéressant parce que les PKJ sortent avant. Et là, par contre, on suivrait Leia de son 16e anniversaire jusqu'à une certaine temporalité qui nous est pas encore donnée, mais on aurait des explications sur les derniers Jedi. Donc, est-ce qu'elle va traverser de ses 16 ans jusqu'au dernier Jedi ? C'est pas précisé. On verra ouais, des liens avec son père, etc. Ouais, ça va être encore. À mon avis, ça va être comme pour ils avaient fait pour l'épisode 7, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits brins de détails qui vont apparaître dans les derniers Jedi, mais ce sera que des petites références à droite à gauche. On n'aura peut-être pas d'éléments sur l'histoire vraiment. Ouais, sauf un qui était Before the Force Awakens. Sur oui, Coudamron. Voilà. Ouais, celui-là, ouais. Il était très court, ouais. Mais essentiel. Ouais, c'était trois nouvelles. Celle sur Finn et sur Rey, elles étaient horribles à lire, et celle sur Poe était super bien, mais.
J'espère que là, du coup, ce sera celui sur Face. Non, même pas, ce sera pas celui sur Face, moi, parce que ça se passe avant le réveil de la Force. Donc, Alors, on continue toujours dans, pour The Force, enfin, dans le même genre que Force Awakens. On en avait un précédemment sur la Cantina. Là, on va en avoir un. On va avoir le même qui nous racontait plein de nouvelles, en fait, des différents aliens de la Cantina de Maz. Et là, on va avoir, quatre nouvelles qui nous racontent différents aliens du casino qu'on voit là, de Dubrovnik là. Donc voilà, avec des histoires un peu secondaires, avec les points de vue des différents personnages. Donc bon, bah ça c'est pareil, ça peut toujours être intéressant. À savoir quand même que en VF, on n'y avait pas eu droit pour l'équivalent de chez Maskanata, chez PKG. Ouais, c'est bien dommage parce que ça c'est le genre de roman qui te fait permettre de connaître des personnages qu'on voit vraiment quelques secondes, et c'est super sympa de les voir, de voir leur point de vue d'une scène qu'on a vu dans le film, quoi. Mais Pocket, ils font un peu n'importe quoi, de toute façon, j'ai l'impression, depuis qu'ils ont la licence, hein. Que ce soit en termes de délai, de choix de sortie. Ils sont traduits assez tôt, quand même. Ouais, PKJ, ça va, mais Pocket, enfin, tu vois, Bloodline, là, on se plaint que, on en trouve pas partout, mais j'ai envie de dire, mais ce roman, il aurait déjà dû être sorti en France il y a 6 mois, donc, Ouais. C'est ça qui est triste. Et le tout dernier, à savoir que dedans, on a John Jackson Miller. Les trois autres, on les connaît pas, mais John Jackson Miller, donc il est quand même assez connu pour avoir écrit des romans et puis des BD quand même plutôt sympas, hein, à l'époque de Legends. Et puis, on termine sur un dernier roman. Alors celui-là, il est vraiment bizarre. Ça va nous raconter des légendes de Luke Skywalker. Mais quand on dit légende, c'est pas un roman qui est légende dans le sens ancien univers, mais ça va être ça fait référence à la phrase de Han Solo, tout ce qu'on vous disait sur Luke Skywalker est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'il pensait que c'était des légendes. Voilà. Ce serait des histoires qu'on raconte un petit peu, vous savez, qui passent de génération en génération, mais plus des histoires qui sont contées de bouche à oreille et qui pourraient être un peu exagérées ou transformées. Ce qui fait qu'en fait, ce seraient des vraies légendes qu'on raconte, mais qui seraient pas forcément canon, puisqu'elles pourraient être modifiées et que, bah, tiens, par exemple, on pourrait un peu exagérer les exploits de Luke ou même les modifier. Alors, c'est original, je trouve, d'une certaine manière, mais c'est pas canon finalement, et pour certains ça pourrait être sans intérêt. En fait, c'est canon, oui et non. Les enfants qui se racontent les histoires de Luke Skywalker, c'est canon, mais l'histoire dans l'histoire ne l'est pas. Voilà, ça s'est pas forcément passé comme ça, mais c'est ce qui se raconte, voilà. C'est vraiment raconté dans l'univers Star Wars, voilà. Ça s'est raconté comme ça, mais peut-être que ce sera. Et ça pourrait reprendre certaines scènes de la trilogie, par exemple, et ce serait volontairement, à mon avis, ça va être dans les premières, volontairement modifié pour qu'on comprenne le ton et les décalages qu'il y a là-dedans, quoi. Ouais, comme ça on connaîtra l'image que Rey se fait de Luke Skywalker avant de le rencontrer. Ouais. Voilà. Tout comme ça, ils viennent d'annoncer un comics Throne. Ah, une mini-série ou une... Une mini-série, ouais. Une mini-série. Et ça va remplacer celle de Mace Windu. Ok, ça sera la suivante. Ok, et on sait quand ça se passera ? C'est... Non, ils ne précisent pas... D'après Star Wars Universe, c'est l'adaptation du roman de Timothy Zahn. Ah, ça m'étonnerait que ce serait très bête de faire une adaptation comics de ça. Mais à mon avis, ce serait carrément plus judicieux de faire un préquel ou quelque chose qui se passe après Star Wars Rebels, quoi. Non, c'est bien l'adaptation, là. Je suis sur sur Twitter, je vois les. Ah, bah, c'est dommage. C'est Marvel to adapt Throne novel into comics book mini series. Bon, bah, c'est dommage. Ah, merde. Pas autant pour moi, mais du coup, je trouve ça dommage. De toute façon, vous allez sûrement on va avoir des nouvelles infos d'ici là, et puis dans la prochaine émission littérature, à mon avis, Thomas, tu auras pas mal de choses à dire dessus. Qu'ils sont en train de débriefer, là, en ce moment. Ouais. C'est ça, on fait des émissions pendant des événements importants, et flash info, quoi. On est un peu le BFM TV Donc voilà, je développe pas plus, j'en reste à peu près là, et puis je crois que c'est les seuls romans supplémentaires qu'on a de la San Diego Comic-Con. Sylvain, il y avait un gros stand de Lucasfilm, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, sur la Comic-Con, donc ils présentent une partie d'une base de la Résistance. On a une console informatique comme celle qu'on voyait sur Yavin. Mais ce coup-ci en blanc, on a plein de caisses, et puis surtout on a quatre personnages qui sont présentés, dont deux, enfin trois même qu'on connaît déjà. C'est le premier, c'est un tout petit, il est de forme sphérique, c'est BB-8, donc on apprend qu'il est brave et loyal. Ça c'est une surprise. Qui continue de servir aux côtés de Poe Dameron. Mais que il est toujours ami avec Finn et donc la nouvelle Rose, donc il les aidera
dans leur mission d'infiltration en plein dans le premier ordre. Ouais, donc à mon avis, il va peut-être se faire une petite bataille en X-Wing avec Poe au début, et puis après, pour une raison X ou Y, ils vont le faire partir avec... Et moi, quand ils me disent ils vont envoyer un droïde en infiltration dans le premier ordre, moi j'ai des mauvaises images de Rebels, ils vont le repeindre en noir et gris. Mais il y aura des BB-8 noirs en plus dans le film. Et je sens qu'on va encore bien rigoler. Sur les trois autres costumes, on parlait du droïde astromécano. Eh ben, on a le pilote maintenant, avec la tenue de pilote de Poe. Donc, il a pris du galon. Il est toujours aussi le leader d'escadron, mais il est toujours aussi téméraire, impoli. Et il va vraiment taper sur les nerfs du premier ordre, mais aussi du commandement de la résistance. Ouais, il y avait Oscar Isaac qui disait qu'il a refait 27 fois une prise où Carrie Fisher doit le gifler. Ah, il a dû avoir mal à la joue. Le troisième personnage, c'est Niem Dub. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, c'est notre pilote solostéen qu'on a déjà vu. Les grandes oreilles. Ouais, et puis surtout les doubles joues toutes bizarres, là. Donc, il est toujours aux côtés de la princesse Leia. Tous les aliens ont rempli, de toute façon. Tous les aliens de la trilogie, de toute façon, c'est pas compliqué, tu les remets, quoi. Ouais. Donc j'espère quand même qu'ils vont nous en prendre d'autres, hein, quand même, à force. Et puis on a, lui c'est le petit nouveau, je crois. C'est la première fois qu'on a son nom, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est Kay Trenali. Je sais pas si je prononce bien. Et donc il vole aux côtés de Poe Dameron. Alors là c'est spoiler, lors de l'évacuation d'Eckard. Ouais, spoiler, c'est annoncé officiellement. Ouais. Moi, je croyais qu'il était mort dans l'assaut de la Starkiller, justement. J'étais sûr que son X-Wing avait pété. Eh ben non, justement. Son X-Wing a pété, sauf que c'est pas le même. C'est Helio Asti qui est mort. Là, c'est de la même espèce. Ah, d'accord. C'est raciste, frangin, c'est ce que quoi. Tu viens de dire. Ils se ressemblent pas tous. Hein. De raciste. Non, mais clairement, ils ont juste changé le casque, on va pas se mentir. Ils ont juste changé le casque, ils ont dit c'est un autre. Quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'avait énervé dans The Force Awakens, c'est que je l'avais redit à plusieurs fois, que les aliens... Ça fait 10 fois que tu nous le dis, ouais, en fait. Mais je m'en remets toujours pas. C'est qu'à chaque fois, cet alien-là, ils l'ont utilisé au moins dans 3 ou 4 plans différents, et c'est pas crédible. Quoi. Enfin, ça me plaît pas. C'est comme la tête de Lyon, là, on le voit à deux moments, je trouve que c'était une facilité. Voilà, avec le budget qu'ils avaient, ils auraient pu faire autre chose. Quoi. Après, qu'on revoie la race, me gêne pas. Mais, ouais. Mais le truc, c'est que là, en fait, il y a beaucoup de gens dans les commentaires que j'ai vu sur internet qui pensent que c'est le même que l'épisode 7. Et t'en es la preuve. Alors qu'en fait, c'est un autre personnage, c'est juste que, en fait, il a un casque différent. Du coup, c'est un autre. Alors que je suis sûr, tu lui enlèves le casque, c'est la même marionnette. Ils ont peut-être dû faire des petites retouches. Ouais, c'est ça. Ou, toi, comme les Twi'lek, tu les différencies quand même. C'est quoi, ça. On revoyait cette espèce, mais c'était peut-être un officier ou un passant comme ça. Et puis tu mettais un autre alien en pilote ou. Mais à mon avis, c'est pour montrer que cette espèce, à mon avis, est très liée à la résistance. Et, ouais, et puis voilà. Quoi. Ouais. Et donc à ce moment-là, c'est comme les calamaris que tu vois beaucoup. Parce c'est un peu ça, je pense. Et sans même reprendre les mêmes personnages ou les mêmes maquettes, le souci, c'est que généralement, en fait, si tu regardes juste le film, t'as pas le nom des personnages. Donc tu peux prendre la même marionnette, la même maquette ou les mêmes images de synthèse. Puis tu modifies juste un truc ou deux, et puis tu dis, lui c'est machin, lui c'est machin, lui c'est machin. Comme on n'a jamais leur nom, c'est pour ça aussi que les gens se trompent et ne savent pas. Si tu leur donnes pas les noms, c'est Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4, Alien 5. C'est toujours un truc que j'ai regretté. Alien Prometheus. Pas que dans les Star Wars, hein, dans beaucoup de films de science-fiction. Et l'information n'est pas accessible en plus. Ouais, donc c'est pour ça, il y a plein de gens qui vont, en voyant le Jedi, ils vont dire, mais il était pas mort lui, c'est une incohérence, et ils vont rester là en fait, à moins qu'ils écoutent cette émission. C'est l'incohérence, ouais, c'est clair. À moins qu'ils écoutent cette émission, mais voilà, il va y avoir un malentendu rapide quoi, je pense. Et on va terminer avec le Comic Con, avec les produits dérivés. Alors Hot Toys a dévoilé une douzaine de nouvelles figurines, je vais en rester là parce qu'on va sûrement faire une émission collector avec l'ami Raphaël pour aller dans les détails. Il y a les deux premières figurines de l'épisode 8 qui ont été dévoilés, c'est les Black Series de Luke en maître Jedi, comme tel qu'on le voit à la fin du Réveil de la Force, et de Rey en tenue d'apprenti Jedi. Donc, pour savoir à quoi elle ressemble, vous retournez regarder la vidéo Behind the Scene,
et il y a un moment où elle danse avec John Boyega dans un décor un peu enneigé. Ben, c'est ce costume-là. C'est un costume un peu bleu et gris, cheveux détachés, et elle a toujours ses trois accessoires fétiches, à savoir le sabre laser de Luke, le blaster que Han Solo lui a donné, et son bâton. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Luke Skywalker n'a aucun accessoire inclus, donc il n'a pas son sabre laser vert. Donc, indice ou pas, est-ce qu'il va se servir d'un sabre ou pas dans le film ? C'est mal barré. Ouais, il peut peut-être le piquer à un autre. Oui, quoique c'est vrai que Rey, les premières figurines de Rey n'avaient pas de sabre laser, et c'est une fois seulement que le film est sorti qu'ils ont ressorti la figurine avec un sabre laser. Comme ça, on l'a acheté deux fois. Bah oui, parce que sinon on n'aurait pas cru que c'était Finn le Jedi. Bah on pensait que c'était... Enfin, toute la communication a été faite en sorte que ah bah c'est Finn qui tient un sabre laser, c'est lui, sinon, d'ailleurs qui le tient sur la fiche. Là j'ai vu, c'est un pack avec les deux figurines, mais le jour où ils sortent les deux figurines séparées, bah, ça va être le 1er septembre. Luke... Hein, ça va être le 1er septembre déjà, et oui, ces deux figurines exclues vont sortir en pack séparé en 1er septembre pour tout le monde, rassurez-vous. Ouais. Non mais c'est surtout, est-ce que la figurine de Luke, elle sera vendue moins cher ou pas, vu qu'il n'y a aucun accessoire? Ah non, ça ils s'en fichent, hein, du nombre d'accessoires, ça sera le même prix, hein. Ça sera 40 balles. Non mais à mon avis, Luke a deux costumes aussi dans le film, donc il y aura sûrement la figurine avec l'autre costume, et celle-ci aura peut-être un sabre laser. Et alors, et là je suis vraiment le mec qui regarde les détails, c'est que normalement dans les photos de Vanity Fair, il y a aussi Luke qui a dans cette tenue de Jedi à son gant en cuir. Donc il y a des scènes où il a son gant en cuir, des scènes où il a la main mécanique, et du coup là ils sont pas embêtés, ils ont juste mis la main mécanique. Et ils auraient pu mettre une deuxième main avec le gant en cuir, comme ça on aurait eu les deux options différentes. Et ils n'y ont pas pensé, c'est dommage. Et on va terminer avec une fuite d'un produit dérivé qui n'a pas été présenté au Comic-Con, mais c'est pas un spoiler. Vous allez tout de suite savoir pourquoi. Le B-Wing. Le B-Wing. Alors, souvenez-vous dans la bande-annonce, la première bande-annonce, de toute façon il n'y a pas de deuxième encore, donc il n'y en a qu'une. Le vaisseau qui atterrit sur la planète Krait, où il y a cette poussière rouge qui sort là, donc qui ressemblait à un B-Wing, qui vont affronter les quadripodes au loin. Et ben maintenant, donc le jouet a fuité. Donc c'est Poe Dameron qui le pilote. D'ailleurs, il y a un plan dans la vidéo Behind the Scene où on voyait Poe Dameron avec sa veste à la Han Solo là, avec juste un casque, des écouteurs sur les oreilles, monté dans un cockpit. Donc c'est le cockpit de ce vaisseau. Donc c'est un plan où justement il se prépare pour la bataille de Krait. Et ce vaisseau s'appelle le Sky Speeder. Alors pas Sky comme le ciel, Sky avec un I, donc le Ski Speeder. Et ça ressemble à un vieux vaisseau de briques et de broc. Et je sais pas vous, mais je me demande bien comment ces petits vaisseaux très très légers vont pouvoir faire face à des gigantesques quadripodes surblindés du premier ordre. Je sais pas comment ils vont faire. Ils vont se prendre une tôle. Ah ça, il y a des chances, mais... Parce que vu la taille des machins, et c'est vrai que ça a l'air vraiment de... Très fragile, quoi. De briquet de broc. Voilà. Alors, soit c'est un appât, soit ils vont tous y passer. Ouais. Alors, ce que je veux dire n'est pas un spoiler, c'est une annonce officielle qui est passée, certes, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est officiel tout ce que je vais vous dire. Krait abrite une ancienne base de l'Alliance Rebelle. Donc je me demande si ce sont pas des vieux vaisseaux que en gros le va dire que ça c'est... Imaginons que peut-être la résistance n'ait plus aucun chasseur de dispo et tout à cause d'une grosse bataille, ils vont sur Krait, et vu que Krait est officiellement abrite officiellement une ancienne base de la rébellion, peut-être que dans cette base il y avait plein de vieux speeders et qu'en fait la seule chose qu'ils ont à disposition c'est ces speeders quoi, ils ont pas le choix, ils doivent prendre ces vieux speeders qui ont pas été utilisés depuis 30 ans et ils doivent se battre avec. Ils ont bidouillé des B-Wing pour, voilà, pour faire c'est la soupe. Et quand on regarde la boîte du vaisseau, on n'a pas l'impression que le cockpit se referme entièrement d'ailleurs. Mais d'ailleurs, donc, on voit mieux sur le jouet que sur la bande-annonce. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que le jouet nous donne vraiment le... Sur la bande-annonce, ils étaient que à l'arrière et de profil, enfin les trois quarts, et là on le voit vraiment de face quoi. Donc ça a l'air vraiment de briquet de broc. Donc c'est pour ça que même cette scène va être désespérée quoi, parce que même Poe est même pas en tenue de pilote quand il a conduit quoi, il est en tenue de civil entre guillemets quoi. Voilà, il est pas en tenue de pilote. Je t'arrête. Est-ce que t'es spoiler toi ou pas? Ouais. Ah donc t'as la réponse en fait à ça, c'est sûr. Ah non, j'ai pas la réponse à ça. Je suis spoiler, mais quand tu es spoiler, on n'a pas la réponse à ça du tout. Mais honnêtement, les spoilers qu'on connaît aujourd'hui, on connaît pas beaucoup de choses de plus que ce qui a été annoncé officiellement, parce qu'en fait la vidéo Behind the Scene a en gros confirmé tous les spoilers du moment, et donc du coup la vidéo Behind the Scene a juste confirmé les spoilers du moment, et au final maintenant je crois que c'est à peu près pareil quoi. Il y a pas de gros spoilers que je vous cache en fait, parce qu'il y en a pas, tout simplement. Aussi toujours dans les Prodders, t'as fini sur les Prodders ou pas? Ouais.
que je voulais mentionner aussi, maintenant que tu t'en parles, c'est la figurine du Rakdar. Je trouve énorme. Moi, je sais que mon fils, il est super fan des Rakdar. Quand il a le set sur la tablette, il se remet à la scène des Rakdar et il joue avec ses potes à faire le Rakdar. Et du coup, là, je pense que Noël prochain, il va y avoir droit. Et alors, ce qui est génial en plus, c'est que le Rakdar, en plus, t'as une figurine, Edouard Balatic, je crois, qui est avec. Ouais, c'est Balatic. Tu peux enfiler le mec dans la bouche et tu vois les bombes qui sortent. Je trouve ça énorme. Et je trouve que pour un gamin, tu vois, quand t'as le monstre, c'est déjà cool. Mais t'as la figurine qui s'est bouffée avec. Tu peux mettre le mec et le faire bouffer, c'est énorme. Mais alors par contre, ça a l'air mou pour le faire rentrer dedans. Ouais, sauf que Balatic ne se fait pas manger dans le film, il survit. C'est les sangs rouges là qui se font manger et les asiatiques là, le Kanji Club qui se font manger. Balatic, je crois que c'est un des seuls qui survit. Oui, oui, tout à fait. Mais sauf que après, dans de toute façon, tu connais le pouvoir des Hasbro, c'est qu'en fait, du coup, bah, t'es créatif, donc tu changes le scénario. Il y en a un autre qui se fait bouffer. Oui, machin, voilà. Tu peux faire bouffer Han Solo même au pire. Hein, je peux non. Faire avoir une crise cardiaque, mais. Han Solo. Tu vois, tu vas te faire défoncer la tronche. Hein. Ouais, si tout le monde se casse des genoux, il a déjà les genoux cassés par toi, il peut plus me les casser. Non, c'est toi là qui va te faire défoncer. Tu vas te faire bouffer Han Solo par un verre de terre. Donc voilà, mais vraiment, est-ce que t'as une idée du prix, par contre de... Moi, je pense que ça va être une trentaine d'euros, trentaine d'euros, c'est le maximum. Si c'est 40, c'est vraiment cher. Ouais. Ah ouais, je pense que ça devrait être entre 25 et 30. Ouais. Ah, je crois qu'à 30 balles, je peux presque en prendre deux, quoi. Quand même, vu la taille du machin, surtout qu'il y a le système Force Link, là, donc qui est censé répondre avec je sais pas trop quoi, mais... Moi, je m'attends plus à un truc à 50 balles. Hein. Alors le vaisseau, le Sky Speeder, sur le site où ça a fuité, c'est une boutique, il était à 29,99 livres, ce qui fait 35 euros. Ouais, donc mais je pense qu'en France, on l'aura pas en dessous de 40. Hein. Parce que, ouais, cette année, là, le A-Wing, tu sais, tous ceux qui étaient dans cette gamme de petits vaisseaux avec un perso, ils étaient tous à 40 balles. Donc, je pense que la bête doit faire à peu près la même taille. Et surtout, s'il y a un système dedans, un peu de souplesse et tout, parce qu'on payait, à mon avis, le côté nerf qu'il y avait dedans. Tu sais, il y avait petites fléchettes nerf. Moi, je sais qu'ils ont eu plein de trucs nerf. Par exemple, je leur ai acheté le Ghost, tu sais, le Fantôme, tu sais, le premier Fantôme. Ouais. Il coûtait le même prix que le A-Wing, alors que le A-Wing il est beaucoup plus petit, mais il y a un nerf dedans quoi. Ouais. Puis il y a une figue aussi, alors que le fantôme il n'y avait pas de figue. Bah je pense qu'on a bouclé la partie news. Maintenant on va encore aborder une dernière petite section là avant de rentrer dans le gros du sujet sur les projets abandonnés de Lucasfilm. C'est qu'il y a en ce moment ça, sur internet, Sylvain tu me diras, ça va pas trop. Mais non, calmez-vous les enfants, c'est que le net. Il y a récemment, là, donc là on enregistre vendredi soir le 21, et puis il y a 2-3 jours, si ma mémoire, j'ai vu un truc qui moi m'a laissé sur le cul. Beaucoup d'entre nous se suivent les uns les autres sur Facebook, sur Twitter et tout ça, et j'ai vu plusieurs gens qui étaient, plusieurs personnes plutôt, qui étaient de la Rebelle Légion et de la 501. Qui se plaignait parce que a priori il y a un petit rigolo sur Facebook, je donnerai pas son nom parce que on n'est pas là pour ça, mais en gros le mec s'est fait passer à la fois pour un cosplayer ultra professionnel, pour un mec qui bossait à Disney, au parc Disney, et aussi le commander in chef de la 501 et de la Rebelle Légion. Donc je peux comprendre que le vrai commander in chef, Ils doivent pas être très contents. Ouais, qu'ils soient pas contents. Ça, je peux très bien le comprendre. Mais le truc qui m'a un peu laissé sur le cul, c'est que ça en fasse tout un pataquès. Après, moi, j'ai pas eu accès au profil de ce gars-là, mais a priori, il y a pas une seule photo sur son profil qu'il ait mis en libre service qui soit vraie. Il a été piqué ça à droite à gauche. Le mec, a priori, quand tu vois le profil qu'il a mis, c'est un bon gros troll des cavernes du net. Et donc là, ma première réflexion, c'est finalement, qu'est-ce qu'on en a à battre finalement ? Bah si il fait rien, si c'est juste un statut fantôme, voilà, on s'en fiche. C'est juste un statut Facebook. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Les gens qui demandent les associations, à ce que la 501 ou la Rebelle ou n'importe quelle autre association participe à des events.
ils les connaissent, les vrais, les Commander-in-Chief des deux Assos. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un Mongolien se fasse passer pour autrui? Bah après, je pense que là où ils gueulent, c'est qu'ils ont peur que cette personne, auprès des organismes qui travaillent avec la 501 et la Rebelle, se fasse passer pour un des leurs, et comme leur responsable. Et du coup, qu'ils soient pas en contact avec la bonne personne. Après, je ne sais pas ce que fait cette personne qui usurpe les identités. C'est pas bien, mais après, je sais pas, on sait pas si c'est juste un compte Facebook ou si aussi elle fait des démarches avec des événements ou des choses comme ça en se faisant passer pour les associations. Là, ce qui serait vraiment très mal, très 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 mal, et il faut vraiment que la 500 et la Rebelle prennent les mesures nécessaires. Après, si c'est juste un troll sur Internet, c'est pas bien, mais c'est pas aussi grave. De ce que j'en voyais, des différents commentaires que j'ai suivis, pour moi, c'est un bon gros troll des cavernes, donc on s'en balance. De là à... je comprends la réaction des mecs, des assos, des responsables qui l'ont mauvaise, mais de là à dire « Bon, bah, on va le trouver, on va lui péter la gueule, ou on va aller lui en dire bonjour. » Mais les gars, si vous allez réellement lui péter la gueule, mais le gars, il a un copier-coller, une capture d'écran de votre poste à faire sur le net, il va avec sa gueule décalquée et son petit imprimé écran, il va chez les flics. Et comment vous expliquez ça quand les flics ils vont toquer chez vous? Ah bah le gars il a mis deux conneries sur Facebook, on n'est pas content, on a été lui péter la gueule. Mais c'est pas des trucs à faire. Que je comprends que vous soyez énervé, mais contactez les grosses organisations qui bossent avec vous en disant faites gaffe les gars, si vous nous cherchez, ce mec là c'est un imposteur, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, donc s'il vous contacte, vous l'envoyez sur les roses, mais le menacez pas écrit noir sur blanc sur Facebook. Là, c'est vous qui allez morfler les enfants. Donc voilà, c'est mon mini coup de gueule. Surtout qu'il y a il y a d'autres fans qui se font passer pour des très gentils sur Internet, qui font des crasses bien pires en coulisses. Enfin bon. Et après, on va être un peu plus léger. Il y a aussi ce youtubeur qui s'appelle Mike Zero. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est soi-disant un youtubeur qui a plein de connexions chez Lucasfilm, qui a des sources, qui travaille sur les films et qui a plein de scoops. En fait, il fait que reprendre des théories qu'il y a sur Reddit ou sur 4chan. Ou alors il invente des choses. Jusque là c'est pas bien méchant, hein. Enfin voilà, il fait ses vidéos, voilà. Là où ça devient gênant, c'est qu'en fait en France il y a plein de médias sérieux comme Allociné, RTL, Première, qui reprennent les informations de ce youtubeur comme étant un youtubeur qui a beaucoup d'influence dans le fandom de Star Wars, qui a plein d'infos. Mais j'ai envie de dire à tous ces médias là mais c'est renseignez-vous, il y a les vrais, tous les sites sérieux de fans de Star Wars ne reprennent jamais ces informations parce qu'ils savent tous que c'est faux. Et c'est pareil, il y a une news comme quoi il y a un script de l'épisode 8 qui était signé par tous les acteurs dont Tom Hardy, et ça je l'ai vu sur tous les médias sérieux. Ah bah, je te l'ai passé, voilà, ça. Sur tous les médias sérieux, toutes les signatures dessus sont fausses. Donc renseignez-vous un minimum avant de faire ça. Et moi, ça me frustre à chaque fois parce que c'est des médias qui ont beaucoup plus de fans sur leur page que les sites de communauté Star Wars. Et du coup, le grand public gobe tout, quoi. Et c'est vraiment frustrant. Donc voilà, ce Mike Zero, c'est un petit fléau du net, là. Et il y a toutes les communautés Star Wars internationales qui se battent contre lui parce que si c'était juste un petit rigolo innocent, ben ok, il raconte des bêtises, le croit qu'ils veulent, mais que les médias français et peut-être pas qu'en France, hein, le reprennent de manière sérieuse. Oh, c'est les médias français. Bah, c'est aussi la faute des médias français pour le coup là. Ouais, mais tu vois, tu dis médias sérieux et tu mets Allociné en premier, non déjà il y a pas. Tu sais aussi bien que moi, surtout dans le domaine du cinéma, quand t'as, je me rappelle toujours l'anecdote de l'expert ciné de d'Itélé Canal Plus là, Olivier machin chouette là. Alors moi je vais rester très neutre parce que Allociné et CNews, c'est des gens que je côtoie, donc je peux pas. Ouais, ouais, mais tu vois, le gars, quand il y avait The Dark Knight Rises qui est sorti, et que le gars, sa première phrase, c'est Christian Bale reprend pour la deuxième fois le rôle de Batman.
bon, moi, c'est le sérieux, il vient d'en prendre un coup dans les gencives. Ouais, je suis d'accord. À savoir, moi, juste pour la petite info, hein, je vais me moquer de moi-même, mais l'autre jour sur Facebook, il y a quelqu'un qui a passé une fake news comme quoi le troisième spin-off était tombé, hein, qui disait que c'était Obi-Wan Kenobi, donc le troisième Obi-Wan spin-off. Obi-Wan Kenobi. Ouais, et du coup, je l'attendais tellement parce qu'il nous avait dit, ouais, ça va tomber au mois de juin, avait dit Kathleen Kennedy. Ouais, et là, ça tombe encore. Et je me suis dit, oh putain, donc j'ai partagé dans la foulée, j'ai commencé à mettre des coms. Et puis dans la foulée, je me suis dit, j'ai vu que ça sautait pas sur les autres sources. Et donc j'ai été voir la source et je me suis dit, oh putain, en fait, c'était un fake. Et le gars qui l'a partagé, j'ai cru que c'était lui qui avait fait la blague, mais lui-même m'a dit, ah non, je me suis moi aussi fait avoir en la partageant. Donc des fois on a une fake news qui passe et quand elle tombe au moment où on l'attend, des fois dans la spontanéité, si tu veux, dans l'entrain, on n'a même pas tendance à aller vérifier la source. Et après j'ai été voir sur StarWars.com, je me suis dit ah merde, ouais c'est bon. Bah, tu vois, c'est pour ça, avant de partager une news, tu cliques sur le lien et puis tu vas voir la source et puis après tu vas voir la source de la source. Et tu te renseignes. Ouais, non, mais on est bien là. Mais ce que je t'explique, tu vois, c'est le côté euphorisant du truc où tu dis, oh putain, ça y est, c'est tombé. Et si tu veux, t'as pas forcément le recul pour dire, attention, c'est un truc bidon. Et des fois, moi, ça m'arrive de partager des fausses news, tu sais, pour rigoler. Mais là, je l'ai partagé pour de vrai, quoi. Mais si tu vois, il est passé pour un con auprès des membres du podcast. On s'est bien foutu de sa gueule en message privé. Ouais, tout à fait. On vous filera les captures d'écran des conversations, vous verrez. Ouais. Donc, mais c'était bien rigolo, quoi. Et du coup, je le dis parce que voilà, ça me fait marrer, quoi. Et c'est bien d'avoir un peu d'autodérision, mais on a tendance des fois à se faire avoir par l'euphorie du truc, quoi. Vraiment. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour l'anecdote. Voilà. Et troisième petit point qui va être beaucoup plus court, il y a une nouvelle mode sur Internet qui est de voir du spoiler là où il n'y en a pas. Et ça devient un peu fatigant quand je vois des commentaires, quand des gens, un site poste une photo d'un porg et ils disent « Ah, mais c'est un spoiler. » Non, c'est pas un spoiler. C'était dans une vidéo officielle de Lucasfilm et vous allez le voir en jouer partout à partir du 1er septembre. Donc et ça dévoile rien sur l'histoire. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec vos spoilers. Non mais c'est comme aussi voilà, quand j'avais fait l'actualité sur Planet Star Wars sur le ski speeder qui allait affronter les quadripodes, on m'a dit les quadripodes, on n'était pas censé savoir qu'ils allaient affronter les quadripodes. Mais c'est dans la bande annonce. Tu le vois dans l'image. C'est dans la bande annonce. Donc voilà, je comprends bien qu'il y a des gens qui veulent un peu, qui veulent se préserver de l'histoire et des grandes révélations. Mais on est des sites, enfin je parle au nom de tous les sites de Star Wars, hein, je pense, on est des sites d'information de Star Wars. Si on peut pas parler de ce qui a été dévoilé officiellement, on peut parler de rien après. Donc si vous voulez absolument rien savoir, ben ne suivez pas ces pages ou allez dans une grotte, mais allez pas jusque dans une grotte quand même, mais il y a un moment où quand on est une communauté de Star Wars qui veulent informer, voilà. Non mais c'est vraiment, si on veut juste informer les fans de Star Wars, on est obligé à un moment d'un minimum de parler de ce qui est officiel, sinon on parle de rien. Et voilà, donc faut arrêter d'avoir du spoiler là où il y en a pas. Voilà, faites-nous confiance, les sites sérieux ne spoilent pas publiquement les fans. Quand il y a du gros spoiler, on vous préviendra tout le temps. C'est le cas de Star Wars en direct, c'est le cas de plein d'autres sites français. Donc voilà. Et bien après cette longue première partie d'émission, on va enfin s'attarder sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire tous les projets que Lucasfilm a abandonnés et qu'on ne verra probablement jamais. Jamais. Voilà. Donc il y a plusieurs catégories, on va pas y aller chronologiquement, on va y aller par catégorie. Et on va commencer par les jeux vidéo, parce qu'il y a deux jeux vidéo dont on ne verra jamais la couleur, hélas. Le premier étant The Force Unleashed 3. Est-ce que vous avez joué déjà, Sylvain et Thomas, aux deux premiers? Ouais, les deux j'ai fait. Vous aviez aimé ou pas? Le 1 était génial. Sur Xbox, j'avais beaucoup aimé le premier. Ouais. Le deuxième, au début, je l'avais bien aimé parce que je trouvais l'ambiance. Mais un peu court. Et puis, il était tellement court que finalement. En y repensant et en rejouant plusieurs fois, j'avais moins pris, je m'étais moins pris au jeu
Et surtout, c'est que il était ultra moche comparé au premier. Ah, moi j'ai pas eu cette sensation. Pour moi, les deux c'était assez jouissif parce que bon, faut retourner, hein, c'était il y a 10 ans. Hein. Et il y a 10 ans, c'était révolutionnaire comme jeu vidéo, aussi bien visuellement qu'au niveau du gameplay, quoi. Après, je sais que l'histoire avait beaucoup divisé parce que c'était incohérent avec pas mal de romans. Ça, Thomas, tu vas peut-être m'en dire plus. En fait, le 2 m'a franchement pas marqué. Comme je disais, Sylvain, il était tellement court, tellement rapide. Ouais. Ça m'avait pas botté. Par contre, j'avais le souvenir que le 1 était totalement ancré. Je me rappelle qu'à la fin, ça finissait avec Bail Organa et compagnie. Ils étaient tous autour et ils créaient plus ou moins la rébellion. Ouais, voilà, ouais. C'était hyper canon. Alors que le deuxième, du coup, pour chaque jeu, t'avais une fin côté lumineux, une fin côté obscur. Et dans le deuxième, si tu faisais le côté lumineux, la rébellion arrivait à prendre en otage Dark Vador. Donc, alors oui, niveau canon, les deux étaient aussi pas mal une surenchère. Tu sais, t'avais cette espèce de rancor encore plus géant que d'habitude. Ouais, voilà, c'était un peu un peu Dragon Ball Z à la fin, quoi, tu vois, avec les fusions. Ouais, mais même l'histoire en général, c'était exagéré au niveau des coups qu'on pouvait donner et tout. Mais c'était un peu le titre du jeu, hein, The Force Unleashed, la force déchaînée. Donc pour le coup, la force était vraiment déchaînée, quoi. Et ce que j'ai oublié de faire, et excusez-moi, c'est de, pour ceux qui ne connaissent pas The Force Unleashed, ça parle de Starkiller, c'est un l'apprenti secret de Dark Vador. Donc Dark Vador va au départ le former pour accomplir quelques missions et il lui fait miroiter qu'ils vont renverser l'Empereur. Et en fait, l'Empereur le découvre et après Dark Vador lui fait non, mais en fait, le but n'a jamais été que tu renverses l'Empereur avec moi, c'était juste que tu mettes à jour les rebelles. Que tu mettes à jour les rebelles et qu'on puisse détruire la rébellion. Et en fait, ça n'a fait que la créer, au final. Mais voilà, moi, je me souviens de jeux très sympathiques que j'avais. Je les ai terminés 2 ou 3 fois. Parce que c'est très plaisant au niveau du gameplay. Après, au niveau de l'histoire, moi, je vous avoue que c'était assez secondaire. Et là où on était un peu frustrés, c'était surtout au niveau de la fin du 2. Alors, rappelez-vous, à la fin du 2, en fait, le clone de Starkiller, parce que Starkiller meurt dans le 1, du coup, on joue son clone dans le 2, qui a ses souvenirs, et du coup, le clone de Starkiller part, s'échappe avec l'ancien officier impérial, dont j'ai oublié le nom, Eclipse, voilà, qui a déserté l'Empire pour rejoindre la rébellion, et en fait, du coup, ils s'en vont en amoureux, et ils se font pourchasser par Boba Fett. Et là, suspense, c'était le cliffhanger de fin. Et on sait pas ce qui allait suivre. Et en fait, ça annonçait clairement un 3. Parce que, pour être cohérent avec les films, tu pouvais pas laisser dans la nature, un clone Jedi avec autant de pouvoir que ça, quoi. C'était, si ce mec était dans la rébellion, tu comprends pas pourquoi Luke est aussi exceptionnel derrière, quoi. Et pourquoi ils ont pas fait appel à lui pour, récupérer les plans de l'étoile noire. Enfin, plein de choses. Le fait qu'il reste en vie était vraiment incohérent avec les films. Et le 3 aurait peut-être dû expliquer cela, quoi. Et sachant qu'il y avait un autre Jedi, c'était le Jedi Ram Kota, c'était un vieux Jedi de la guerre des clones aveugles, et lui, pareil, il est encore en vie à la fin du 2. Donc, il était super cool, hein, c'était un peu un samouraï, quoi. Mais voilà, que ces deux personnages restent en vie à la fin de ce jeu vidéo, ça rendait complètement la suite avec les films incohérents. Caduque. Le coup de... Sans ça, juste le coup de... La rébellion qui arrive à prendre en otage Dark Vador, fallait le faire, quoi. Fallait trouver après comment Vador se barre et comment t'en parles pas à aucun moment dans les films. Mais surtout, moi, d'un point de vue scénario, même s'il y avait des éléments bons, je l'ai comparé, si tu veux, au grand titre Star Wars, genre les KOTOR. Où là, le scénario, mais pouah, si tu prenais une claque énorme, quoi. C'était toujours Drew Karpyshyne, celui qui avait fait Dark Ben, qui avait fait les scénarios. Alors là, c'était le summum, quoi. Je sais pas si vous aviez fait les KOTOR, mais c'était génial, ça. Mais ouais, les KOTOR, c'était vraiment cool. Mais d'ailleurs, il n'a pas vraiment de fin à KOTOR parce qu'il n'y a pas eu de 3, il y a eu Thor. Ouais, c'est bien dommage, je trouve. Mais il y a des rumeurs qui disent que KOTOR devrait revenir dans l'univers officiel, dans un reboot ou un remake. Ouais, mais canon. Sans réintégrer les deux. Et ça, ce serait bien de remettre des personnages comme Revan, canon. Et avec le système de jeu RPG qui était plus sympa, je trouve, que le système de jeu baston.
Et voilà. Et pour en revenir, donc du coup, à The Force Unleashed 3, il était prévu. Il y a même les développeurs qui avaient commencé à bosser dessus. Et il y a un monsieur, enfin, il y a LucasArts a nommé un nouveau directeur qui s'appelait Paul Megan. Et au bout de 2 mois de sa prise de poste, eh ben, il a décidé de purement et simplement annuler The Force Unleashed 3, alors que les chiffres de vente des deux premiers étaient excellents. Et au profit de quoi ? Au profit de rien. C'est ça le pire. Bah, Les chiffres de vente étaient peut-être excellents, mais The Force Unleashed 2 s'est fait défoncer. Oui, voilà. C'est un peu comme Cyril Hanouna. C'est de la merde, mais il y a plein de gens qui consomment. Non, ils ont fait comme moi. Ils ont eu beaucoup de précommandes. J'avais demandé, je précommandais mes jeux chez Micromania et sur Force Unleashed 2, on était beaucoup à avoir préco et très très peu finalement après la sortie du jeu à avoir vendu. Bon, vous allez me dire ouais, c'est juste ton petit magasin. Ouais, mais le Micromania où j'étais, c'était le numéro 2 des magasins sur le nombre de ventes. C'est le numéro 2 sur l'ensemble des boutiques Micromania en France. Donc si le phénomène se répertorie dans toutes les boutiques, bah il y a eu énormément de précommandes et puis bah 15 jours après la sortie, t'avais énormément de Force Unleashed 2, et même 15 jours dans la semaine de la sortie. En occas, tu veux dire, hein. Ouais, t'avais beaucoup, oui, t'avais parce que les beaucoup mecs, dans le bac. Un week-end. Ouais, t'avais beaucoup de Force Unleashed 2 dans le bac des occas dès la semaine de sortie. Donc c'est pour ça, t'as beaucoup de ouais, il a des chiffres de vente énormes. Mais tu le finis en 4 heures, le jeu se tape des critiques de merde, parce que je veux bien qu'il soit beau, Force Unleashed 2, mais excusez-moi, mais toute la séquence de Camino, le décor, il est plat et blanc, avec un peu de lumière bleue, c'est ça Camino. Donc, ouais, il n'y avait pas beaucoup de plats, il y a 3 environnements différents dans ce jeu, c'est ça ? Ouais, voilà, donc Camino qui était sûrement le plus long, et à un moment t'as l'éclairage il est bleu, à un moment t'as l'éclairage il est vert je crois, ouais. Et basta. Donc c'est normal. Le jeu s'est pas vendu. Il s'est fait défoncer par la critique et par les joueurs. Voilà. Projet voilà. 3 annulé. Après, ce qui est moins frustrant, c'est que vu que maintenant tout ça c'est légende et que c'est plus canon, et ben y a plus rien à cohérent. C'est que voilà, c'est pour moi ça restera un jeu très plaisant au niveau du gameplay, mais du coup je suis beaucoup moins frustré de pas voir la suite de l'histoire, sachant que c'est plus pris en compte dans la nouvelle chronologie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime toujours comme il est rétrocompatible sur la Xbox One, il est rétrocompatible et que je les ai encore. J'adore me refaire la première mission avec Vador et envoyer les Wookiees. Ouais, sur Kashyyyk, envoyer les Wookiees valser, découper les... Là, pour le coup, les décors étaient chouettes. Ouais, dans le premier était vraiment, je trouve... Même t'avais fait Lucia, je me rappelle. Ouais, était vraiment aussi. Un décor superbe, même dans les toiles noires, ça avait de la gueule. Mais ils ont voulu sortir le 2 trop rapidement avec un scénario... Oui, je crois que le 2 était sorti l'année d'après, c'est ça ? Ouais, voilà. Ouais, c'est hyper rapide. C'est super rapide et ça se voyait au niveau du gameplay, au niveau de l'histoire, au niveau de tout. Donc c'est normal que le jeu se soit banané et qu'au final ils aient annulé quoi. Ouais, c'est dommage. Enfin, c'est dommage lui. Et 13-13. Alors voilà, ça c'est l'autre jeu qui a été annulé. Donc c'est 2 ans plus tard, l'annulation de The Force Unleashed 3. Donc faut se remettre dans le contexte. On était en 2012. Mais l'été 2012, donc en fait, on ne savait pas encore que Disney allait racheter Lucasfilm et refaire plein de films. Et à l'E3, ils avaient sorti le trailer d'un jeu vidéo qui se déroulait sur Coruscant. On voyait deux mercenaires encore inconnus descendre dans les bas-fonds de Coruscant au niveau 13-13, qui est soi-disant un niveau mal famé. Et on ne savait pas trop de quoi ça allait parler en dehors de ça. Et il s'est avéré que c'était un jeu vidéo sur Boba Fett, où on allait incarner Boba Fett. Et ce jeu ne verra, a priori, jamais le jour. Jamais le jour. Mais on y fait référence dans un roman récemment, il me semble. Je sais pas si c'est... Dans plusieurs romans, on y fait référence. Donc, du niveau 13-13. Voilà. Il parle du niveau 13. Mais donc, je crois aussi dans Rebel, à un moment, dans The Clone Wars, il parle du... Et dans Dawn of quelque chose, là, le dernier roman que j'ai lu en entier, là,
Toi que tu as pas aimé, Tomac, mais que moi j'avais aimé. Celui avec Kadan. Voilà, c'est ça. Ouais, A New Dawn, voilà, dans A New Dawn, ouais. Nouvelle Aube. Ouais, 13-13, en fait, ça aurait été un jeu de type Uncharted, si vous voyez, donc des décors sublimes, plein d'actions, d'aventures, bon, du script par-dessus la tête, mais dans le milieu de la pègre. Dans le milieu de la pègre. Ouais, il y avait ça. Et ouais, le petit gag, c'est qu'ils nous ont, en fait, ils nous ont planqué les personnages principaux qu'on devait jouer. Ils ont utilisé le modèle d'un autre joueur. Et puis quelques semaines après, ils nous ont dit que, ils l'ont pas officialisé, mais la rumeur voulait que le personnage officiel au final, ce serait Boba Fett. Donc, si vous recherchez toutes les vidéos sur 13-13, vous verrez pas la gueule de Boba et vous verrez. Mais il y a des concepts. Ouais. Il y a des concepts art où on voit Boba pour le coup qui ont été diffusés par contre. Et alors du coup, on a un auditeur qui nous avait parlé de 13-13 justement dans. Ouais. Avant que tu retrouves le commentaire de Quentin Wolf, ouais. On a Loïc qui a partagé la page que j'ai mise sur Star Wars Direct 137. Et les deux personnes qui sont Kevin Stasias et Arnaud Henry ont dit qu'effectivement le plus gros projet qu'ils regrettaient c'était également 13-13. Ouais. Donc voilà. Ah bah c'était le plus ambitieux là. The Force Unleashed de la PlayStation 4 quoi. Ouais voilà. C'était, je me rappelle plus. Il a été limité à la PS4 ou Je sais plus. Mais aussi, moi je suis déçu, c'est qu'en fait c'était un jeu d'aventure qui allait nous raconter une nouvelle histoire et à la place de ça, ben quand Disney a repris les choses en main avec EA Games, ben, on a eu Battlefront et c'est un jeu qui est très fun hein, mais aucune histoire. Et moi, ce que j'attends vraiment des jeux vidéo Star Wars, c'est un jeu qui me raconte une nouvelle histoire, une histoire inédite. Vraiment. Et c'est pour ça que là, il y a beaucoup de hype sur Battlefront 2. Bah, moi, par la campagne solo, ça me fait un peu ni chaud ni froid, quoi, ce jeu, quoi. Mais moi, j'ai peur que, et ça se confirme avec ce qu'on a vu, précédemment, à la D23, c'est que l'histoire de Battlefront 2, elle soit assez basique, assez naze et qu'elle ne serve qu'à présenter les différentes classes, les différentes armes et les différents environnements. Là, ce qu'on sait, c'est que ça va commencer, on sera à la tête de l'Inferno Squad sur Endor quand l'étoile noire 2 va péter et que on va remonter quasiment jusqu'au réveil de la Force. Et on le sait, en plus, ça a été officiel. Que ben à un moment la nana qu'on va interpréter Idiane passer chez les rebelles. Ah bon? Donc, non je crois que ça va durer pendant 30 ans et ça c'est comment elle va rejoindre le premier ordre et comment le premier ordre va se créer. Il y aura ça, mais si tu reprends je crois c'est dire. Tu vois qu'à un moment, il parle qu'on ira faire un tour du côté de la rébellion. Mais peut-être qu'on va être des rebelles qui vont affronter le personnage d'Eden Versio, justement. Mais franchement, moi, j'ai peur. Ça aura toujours autant de gueule. Moi aussi, j'ai peur. Mais moi, je pense que... Moi, si les critiques... Bah, de toute façon, si Battlefront 2, je le prends, j'attendrai qu'il soit à 30 euros... Qu'il soit à 30 euros deux ans après sa sortie. Parce que je vais pas dépenser 75 euros pour ça. Parce que t'as les DLC en plus. Ouais, les DLC sont gratuits, mais donc là, ils seront gratuits. Là, il n'y aura pas de Season Pass. Les DLC seront... C'est sûr, ça. Oui, ils l'ont dit. Ouais. Ils l'ont officialisé. Ah, attends, ils nous ont tellement mis une carotte pour le dernier, ils peuvent faire un effort pour celui-là. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais regarder toutes les... Parce que j'ai envie de connaître l'histoire de la campagne solo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder toutes les cinématiques sur YouTube. Parce qu'elles seront forcément mises en ligne. Le roman de Christy Golden aussi. Ouais, mais ça se passe avant. Donc du coup, je pense que je le lirai ce roman. Mais il est aussi intéressant que le premier sur Battlefront. Tu pourras t'en passer. Hein. Ouais, bon, j'attendrai les critiques alors. Mais en même temps, s'il est aussi bien que les bouquins République Commando à l'époque qui avaient supporté le jeu. Hey, tu me lances pas sur ce sujet-là, je vais encore me faire des amis, moi. Ah non, j'avais adoré ça. Hein. Et c'est pareil, si tu regardes les Shadow of the Empire... Le dernier, c'est 4 mariages et un enterrement chez les clones. Faut arrêter. Oh non, c'était génial. Arrête. Hey, Ordre 66, ils arrivent à piquer deux personnes dans la même prison, dans la même semaine, face aux mêmes gardes, aux mêmes gens. Faut arrêter.
Ouais, mais il y a un coup sur les Mandaloriens et tout, de... Attends, chez les Mando, t'as Ordo et sa nana qui se marient. T'as Darman et sa nana qui se marient. Alors, je sais plus si c'est avant ou après sa mort. C'est parce que t'es pas ils officialisent c'est le bien, truc. Ta fille et sa nana qui se marient. Mais attends, dans le même roman, faut arrêter le délire. Ah hein. Non, c'était top. Hein. Franchement, t'avais une équipe, t'avais vraiment toute la famille que tu suivais. Je trouvais ça génial. Ouais. Ah, vraiment, j'ai adoré ces romans, quoi. Franchement. Ouais. Et pour revenir à 13-13, alors, je vais juste lire le commentaire que nous a fait Quentin Wolf sur notre page, qui me dit, je me rappelle quand ils avaient annoncé Star Wars 13-13, un jeu sur les origines de Boba Fett et son ascension dans le monde de la pègre, que demander de plus? Vraiment déçu qu'ils aient arrêté là la production du jeu en raison du rachat. J'espère que le projet est toujours en attente et qu'il verra le jour un de ces quatre. Je pense pas que le... Non, c'est mort. Brian Siro qui lui dit non, ouais. Le projet est définitivement mort. Et je pense pas que justement le jeu revienne. Parce que là, le prochain jeu d'aventure qui va sortir normalement après Battlefront 2, ce sera sur un déserteur de l'Empire, donc qui habitait sur Alderaan. Et donc du coup, il y a plus trop de Boba Fett dans l'équation. Donc c'est un peu dommage. Si ça te fait ta transition pour après, il a mis un deuxième commentaire, Quentin Wolf, ouais. Sur une série live, en fait, qui aurait parlé, en fait, de la jeunesse de Palpatine. Alors, oui, voilà, c'est vrai, mais c'est... Oui et non. En fait, donc voilà, on fait la petite transition. Là, on a parlé des jeux vidéo abandonnés. Maintenant, on va parler des séries télé abandonnées. Et en 2005, c'était lors de la première Star Wars Réunion. Non, lors de la deuxième Star Wars... Non, excusez-moi. Je sais plus, mais je pense que c'était lors de la première Star Wars Réunion au Grand Rex, il y avait Rick McCallum qui nous avait annoncé qu'après l'épisode 3, Star Wars allait continuer à la télévision avec la série télé qui s'appellerait Star Wars Underworld, qui sortirait en 2008. Donc maintenant, on a bien envie de rigoler, parce que 9 ans plus tard, on l'attend encore. Et à l'époque, c'était en 2005, donc on se dit 2008, oh là là, c'est dans 3 ans, on doit attendre 3 ans pour voir la série. Et ben, on savait pas qu'il fallait attendre encore... 12 ans, et encore, c'est pas encore sorti, et que cette série Underworld, en fait, n'allait... Chaque épisode serait indépendant. Ça se passerait entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc pendant l'émergence de l'Empire, mais que, voilà, chaque épisode raconterait une histoire indépendante. Parmi toutes ces histoires indépendantes, devait y avoir un épisode sur, effectivement, Palpatine, peut-être même sa jeunesse. Donc c'est pour ça que c'est vrai à la fois oui et non, voilà. Et cette série, et ça c'est encore une fois Rick McCallum qui en avait parlé, cette série devait mettre en scène Boba Fett, bien évidemment. Et donc comme quoi Boba Fett est assez maudit, parce que le jeu vidéo dont il est le héros est annulé, la série télé dans laquelle il devait apparaître est encore en cours de projet, de quoi. Négociation. Voilà, donc c'est, enfin, à la rigueur, cette série Star Wars Underworld, c'est un projet plutôt mis en stand-by plutôt qu'abandonné. Ou alors c'est totalement abandonné, on aura une série live qui n'a rien à voir avec le concept qu'avait Underworld avant. Voilà, moi je trouve que c'est dans les projets, la plus grosse perte dans les projets abandonnés qu'on a eu. Mais à l'époque, ils disaient qu'ils avaient rédigé une centaine d'épisodes. Ouais, c'est ça. Et que c'était hyper... Ouais, qu'ils avaient des scénarios pour 100 épisodes. Et qu'ils attendaient, ouais. Voilà, chaque année, ils disaient, ben non, on repousse parce que financièrement... On n'a pas les moyens techniques avec le budget d'une série télé pour faire ce qu'on veut, voilà. Faire parce qu'on veut que ce soit visuellement top. Voilà, c'est ça. C'est... C'était ça qui, à chaque fois, chaque année, il nous faisait attendre avec ce truc-là, en lui disant, mais tout est prêt, tout est dans les cartons et les scénarios sont rédigés. Sauf qu'on n'a pas assez de pognon. Ouais, je me rappelle même d'une fois, ils avaient pris une photo du bureau dans lequel étaient stockés les scénarios. Alors, c'est peut-être pareil, c'était peut-être du teasing, mais ça donnait vraiment envie et on y croyait vraiment. Et c'est vraiment dommage. Et je me rappelle aussi d'un élément qu'ils avaient dit. Ils avaient dit que dans cette série, on suivrait en fait aussi les gens, on va dire les petits peuples. On n'aurait pas, voilà, de, on verrait pas Palpatine, Dark, voilà. Vador, les grands. On verrait les petits, ceux qu'on voit jamais. Les conséquences de la rébellion sur la vie des gens dans l'univers Star Wars de tous les jours. Ouais. Bah, je trouvais ça vachement intéressant. Ouais, on aurait pu voir la vie dans Star Wars. Ouais. C'est vrai qu'elle m'aurait bien plu, cette série, voir ce que c'est. C'est vrai que je trouve que c'est pareil, une grande perte qu'on a sur l'univers. Après, c'est vrai que ça coûte quand même un bras si, avec les effets spéciaux et tout ça. Pour parler franchement, si jamais Lucasfilm et Disney veulent relancer une série de live comme ça, Bah moi, et qu'en plus ils le font en partenariat avec ABC,
T'es pas sur moi pour la regarder. Hein. Ah non, pas qu'il dit avec HBO. Netflix. Mais moi, j'espère que ce serait dans ce sens-là. Hein. Ouais, mais bah, j'espère que ce serait là-dessus, parce que vu la qualité de Agent of Shield. Ouais, parce que Agent of Shield, c'est mignon comme série. C'est pas. C'est non, mais les effets spéciaux sont. Voilà, c'est mignon, mais c'est pas épique comme on l'aurait voulu. Voilà, Star Wars a besoin de bonnes histoires, de bons personnages, de bonne qualité sur les effets spéciaux. Si tu mets autant de pognon que pour faire les Edge of Shield, les Flash, les Arrow et autres. Non, moi j'en veux pas. Parce que les Arrows, ça, c'est les, par exemple, Arrow là sur CBS, c'est plus des histoires d'amour de super-héros que des histoires épiques, quoi. C'est voilà, super, c'est adouci, c'est tout doux, quoi, par rapport à ce que c'est vraiment la bande dessinée, quoi. Mais moi j'aimerais bien, par exemple, une série live, enfin une série déjà qui se déroule entre les épisodes 6 et 7. Et à l'époque c'était pas possible du coup. Non voilà, mais maintenant c'est possible parce que là maintenant on a 30 ans à explorer. Donc par exemple, tu vois, mais moi j'aimerais bien mais une série avec des épisodes indépendants qui nous raconterait tout ce qui se passe entre le 6 et le 7 par exemple. Tu vois, moi j'aimerais bien savoir comment Han Solo a perdu le Faucon Millennium et qui tombe dans les Ravana, quoi. Les Ravana, c'est son vaisseau cargo là. Moi si tu veux, pour moi, une série, si elle présente les personnages comme Han Solo et tout, je préfère qu'elle soit en série animée. Oui, parce que faut les vrais, faut Harrison Ford. Enfin, faut les traits d'Harrison Ford, je suis d'accord. Parce que. Ou alors Harrison Ford, il nous fait une fleur et il revient. Mais non, il revient, si tu veux, sorti de l'épisode 6, ça va se voir, quoi, qu'il y a un décalage. Ouais, t'as raison. Quoique les Ravana, il l'a pas. Il l'a, je crois, que juste quelques années avant le Réveil de la Force, donc avec son physique. D'ailleurs, moi, je suis convaincu, si tu veux, qu'après Star Wars Rebelle, on va avoir une série qui va justement combler ces 30 années entre épisode 6 et 7, et il faudrait quand même qu'on ait un fil rouge, tu sais, une continuité dans l'histoire, pas des petits épisodes indépendants entre le 6 et le 7. Et que par contre, justement, le pari de dire on fait une série live, et puis qu'en plus ils seront beaucoup moins pieds et mains liés, parce que si jamais ils font une série live à gros budget, ils font un scénario qui bétonne tout, et comme en fait il se passe pas grand chose pendant ces 30 ans, il y a moins d'intérêt, alors que suivre des personnages autres, ça veut dire qu'ils prennent les acteurs qu'ils veulent, ils sont libres sur les histoires qu'ils veulent, elles sont juste dans le contexte, et je trouve que c'est encore meilleur. Et que si eux, pour moi, pour suivre le Big Three, il faudrait une série animée et refaire une série live dans le genre de ce qu'ils avaient annoncé. Ouais, et ouais, je suis d'accord, complètement d'accord avec toi pour la série animée. Ce serait beaucoup plus simple pour avoir les personnages, le Big Three justement, dans de nouvelles aventures. Et pour ce sera sûrement des aventures plus légères. Ouais, plus, c'est ça. Ce que je veux dire. Ouais, et pour la. Parce qu'il se passe moins de trucs. Ouais. Et si c'est une série live, faut pas un truc tendre, faut un truc bien plus, voilà, plus sombre, tard, dark. Tu vois, la Game of Thrones, voilà, quoi, si ça. Jamais il y a un personnage. Bon, peut-être pas aussi dur que Game of Thrones, mais vraiment un truc plus sérieux, quoi. Et explorer cette période, par exemple, avec des pilotes rebelles ou comment. Des anciens impériaux vont créer le premier ordre, des choses comme ça, ce serait vraiment super. Ouais, la montée au pouvoir du premier ordre, ce serait de genre tu sais, House of Cards spécial, les reliquats de l'Empire deviennent le premier ordre et entubent la moitié de la galaxie. Je pense que on aurait un bon sujet et ce serait nickel. Ouais, ça serait bien aussi. Donc voilà, ça c'est pour cette série Underworld qu'on attend encore, mais alors a priori ABC avait dit que oui, ils aimeraient bien faire une série Star Wars et Kathleen Kennedy a dit je les veux pas sur du Star Wars. Ouais. Et Kathleen Kennedy a dit oui, ils sont bien gentils là, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Là on a une trilogie à finir et un troisième spin-off à annoncer et à réaliser, et après on verra bien, quoi. Comme tu dis, Sylvain, il faut vraiment pas que cette série, un jour, arrive sur ABC. Il serait capable de nous faire un spin-off sur Anakin qui fait des rodéos sur des shacks avec Padmé, des trucs comme ça. Oh, bon, moi, s'il me ramène Nathalie Portman, ça me va. Hein. Ouais. Bon, on va continuer dans les séries télé avec une. Alors, en fait, non, c'était pas Star Wars Underworld pour moi la plus grosse perte. C'est la seule qui va arriver, c'est Star Wars Detours. Star Wars Detours, faut revenir, j'étais à Orlando en 2012. Ils étaient au bout, elle était quasiment montée. Oui, elle était finie. En fait, j'étais à Star Wars Célébration 6 à Orlando, il y a 5 ans maintenant. Et le main event de Célébration, c'était un panel sur un projet secret réalisé par Seth Green.
C'est le fils du Docteur d'Enfer d'Austin Power, qui est aussi scénariste de séries télé, et qui allait nous parler de son projet super secret. Donc moi je suis allé à ce panel, parce que je me suis dit, ah, ça sent la nouvelle série animée, ça peut être pas mal du tout. Et j'ai eu raison, parce que justement ils nous ont présenté cette nouvelle série qui s'appelait Star Wars Detours, qui était une série sarcastique, enfin une série humoristique, mais plus autodérision vis-à-vis de la saga, et plus de l'humour adulte que de l'humour enfant. Voilà, c'était... Ouais, un peu comme, comme Chicken Robot. Pas aussi trash que South Park, mais ouais, plus vers Chicken Robot, mais un peu plus soft encore. Mais c'est... Et avec des personnages en SD, comme dans les mangas, un peu. Des grosses têtes. Ouais, ça. Voilà. Alors, ils étaient pas, ils étaient tous à peu près déformés, mais pas tous. Il y en avait qui avaient, qui étaient à peu près réalistes. Et ce qui était génial aussi, c'est que lors du panel, il y a George Lucas qui est venu sur scène et qui présentait un extrait où George Lucas apparaissait. Et George Lucas faisait passer à Dark Vador un casting de recrutement ou de pour l'Étoile Noire, quelque chose comme ça. Et pendant le panel, ils ont montré plein d'extraits différents, des bandes annonces, et je me suis vraiment marré, quoi. C'était vraiment super drôle, et je me suis dit, ah, on va enfin avoir une série qui va se moquer de la saga, gentiment, mais il y a une vraie part d'autodérision. Et ça avait c'était l'air marrant, génial. Les extraits qu'on voyait. Ouais, hein. Et les extraits sont encore disponibles sur Internet. Si vous tapez Star Wars Detours sur YouTube, vous pouvez trouver des extraits. Et vous allez voir que c'était vraiment rigolo. Et je crois qu'il y avait les deux premières saisons qui avaient déjà été terminées. Et qu'au moment où ils ont fait l'annonce, ils bossaient, je crois que c'était déjà sur la troisième. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y avait déjà beaucoup, beaucoup d'épisodes de près. Et en fait, c'est Star Wars Detours n'a jamais été officiellement annulé par Lucasfilm. C'est juste que ça a été annoncé à l'été 2012, et puis deux mois plus tard, eh ben, il y a le rachat de Disney, donc en fait, plus personne ne parle de Star Wars Detours, et tout le monde a les yeux rivés sur l'épisode 7, et puis le temps passe, et on se dit, ah, au fait, c'est vrai qu'ils avaient annoncé une série animée, Détours, là, et on est, ouais, c'est ça, tu te dis, c'est quatre mois plus tard, tu fais, ah, c'est vrai qu'en fait, ils avaient annoncé ça, ben, c'est quand que ça sort? Puis les années passent, et puis pas d'infos, silence radio total sur ça. Il y a Kathleen Kennedy, si je me trompe autant pour moi, il y a Kathleen Kennedy qui avait dit à un moment, oui, alors Star Wars Detours, pour l'instant, on met ça de côté, parce que notre priorité, c'est de faire des nouveaux films, et ce serait pas très judicieux de sortir une série humoristique et sarcastique au moment où on veut faire découvrir des nouveaux films au grand public. Eh ben, maintenant que les films sont sortis, on attend la série. Ce serait pas du luxe qu'elle sorte. Mais ça, d'autant plus que le doublage était quasiment fait, hein. Ouais, il est terminé, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, est-ce que ça sortira un jour sur Netflix, quelque chose comme ça? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce que, enfin, ça leur coûterait rien parce que c'est prêt, quoi. Ou alors, et j'espère que cette option n'est pas la bonne, j'ai peur que Kathleen Kennedy ait détesté la série et se dise, ça va être dans un placard et ça n'en sortira pas. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et j'ai l'impression qu'on part vers ça, quoi. Vu que là, on a toujours tous les ans, il y a une nouvelle rumeur pour dire que ça va sortir et ça sort pas. Et puis au final, il n'y a rien. Donc j'ai peur que, enfin, plus le temps passe, plus j'ai peur qu'on ne voit jamais cette série, que cette série ne voit jamais le jour. Et ce serait vraiment une grosse, grosse, grosse perte, encore une fois. Toi, Thomas, t'avais vu des extraits aussi de ça ou pas du tout? Ah oui, bah je pense qu'on a vu tous les mêmes extraits à l'époque. Ah, ça avait l'air génial. Je m'étais même dit, ah, ça nous fera patienter en attendant la série live. T'sais. Ouais, bah voilà. Du coup, ni l'autre. Bah voilà. Bon, peut-être que dis-moi. J'ai un autre truc aussi à ressortir sur les séries télé aussi. Ah non, c'est bon, vas-y, je t'écoute. Bon, déjà, The Clone Wars, on devait avoir une saison 6, mais surtout, il y avait une période, je sais pas si vous en rappelez, avait été annoncé un téléfilm sur Boba Fett. Ça me dit quelque chose. Qui était dans la continuité de The Clone Wars, en fait. Mais un téléfilm en animé, hein. Oui, un téléfilm animé, ouais. Qui devait sortir, tu sais, un petit peu comme le premier film de The Clone Wars, tu vois, dans ce style-là. Alors certainement qu'il y a des morceaux qui ont été utilisés dans la saison 2 de The Clone Wars, tu sais, quand il y a Boba Fett petit, on en voit plusieurs, mais voilà, il devait faire vraiment un vrai téléfilm d'une heure et demie, deux heures, qui devait être entre deux saisons, je sais plus si c'était entre la 1 et la 2, ou la 2 et la 3, tu vois. Ouais. Et c'est dommage que ça n'ait pas été fait. Je me rappelle, je me disais, ah ouais, c'est cool et tout. Et puis ça te fait, tu vois, ta transition pour les films après. Ouais, sauf qu'on terminera avec les films. Là, on va passer sur les romans. Alors là, Thomas, là, tu vas plus nous donner ton avis. Parce que l'univers étendu chronologiquement, enfin, du moins avec le Big Three, ça se termine avec le roman qui s'appelle
Alors, je crois que c'est Crucible en anglais. Je sais plus le nom. Je l'aime et je l'ai même pas lu du coup. Parce que sur la fin, moi, les romans légendes, j'avais décroché. Donc, Moi aussi, je trouve que ça perdait grandement en qualité et en cohérence. L'univers étendu légendaire. Les élus sur Terre, ça doit être Henri. Quoi. Ouais. bon, bref, il y avait la série de Legacy avec Jacen Solo qui passait du côté obscur. Il y avait la série, je crois, Fate of the Jedi, où là, t'avais des entités Sith qui manipulaient des tribus perdues de Sith et tout. Là, je me suis dit, oulala. D'ailleurs, ça sentait le début de la fin parce que ils étaient passés de saga, tu sais, le Nouvel Ordre Jedi, je crois que t'avais 18 livres, 15. Ouais. Après, les mecs, ils se disent, allez, on va en faire que 9. La deuxième, 9, mais je tire un peu la patte. Puis après, on te dit, on va faire une trilogie. Donc, tu vois, ça sentait la fin. Ouais, mais là, c'était Fate of the Jedi. Enfin, je crois qu'il y avait 9 romans. Il y avait 9 romans. Et le synopsis, c'était du grand n'importe quoi pour moi. J'ai même pas essayé de lire, parce que tellement je me suis dit, oulala. Il tire trop la corde, il y a un moment, faut qu'ils arrêtent de trouver des histoires tirées par les cheveux pour continuer à raconter des trucs. Faites une vraie fin à nos héros, et puis après, on fait un bond dans le temps, et puis on n'en parle plus, quoi. Et puis les mecs étaient emmerdés, parce qu'en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais je sais plus quel âge ils avaient, le Big Three, à la fin. Oui, ils étaient plus vieux que dans la Réveil de la Force, quoi. Ils avaient peut-être dans les 70 ans, quoi. Et tout ça pour dire que donc après la série de 9 romans Fate of the Jedi, on a eu un roman dont j'ai oublié le nom qui devait soi-disant terminer l'histoire du Big Three avec Han, Luke et Leia qui étaient en couverture d'ailleurs. Et a priori en fait ce roman ne répondait pas à toutes les questions et il lançait des nouvelles questions. Et on devait avoir et voilà petit à petit en fait l'univers les romans devaient faire le lien avec la série Legacy qui se passait 130 ans dans le futur, avec l'arrière petit-fils, avec Kate Skywalker et la fille de Han Solo aussi, enfin l'arrière petit-fils de Han Solo et Leia aussi. Et en fait, c'est que les écrivains au niveau des romans ont pris beaucoup trop de temps à faire le lien entre le comics et les romans. Ils avaient toute une série de romans pour faire le pont et ils l'ont pas fait, ils ont pas pris cette opportunité pour faire le pont. Et au final, ils se sont dit, on va tirer la corde avec des histoires et on fera le pont plus tard. Et ben, ils se sont pris les pieds dans la corde et Disney leur a dit, l'univers étendu, c'est terminé. Le pont, tu sais, c'était en fait, c'est parce que c'était Ostrander qui faisait les comics, et il avait écrit aussi les Clone Wars, et il avait replacé, tu sais, son personnage de Kakroot, tu sais, Louis Feed, qui avait le chapeau de paille. Oui, mais il devait y avoir un pont avec la création des chevaliers impériaux, on savait pas qui étaient il y avait un Fel, un empereur, c'était Fel, on savait pas si c'était l'ancêtre de Han Solo, ou si c'était pas rien à voir avec les Solos, et les Skywalker, enfin, et ça, on n'aura jamais la réponse. Et devait y avoir une trilogie de romans sur Jenna Solo qui s'appelait Sword of the Jedi, qui devait encore continuer petit à petit à faire le pont avec les comics. Et cette trilogie de romans avait été annoncée à Célébration en 2012, en même temps que Star Wars Detours. Et lorsque Lucasfilm a décidé que l'univers étendu ne serait plus canon et il partirait sur de nouvelles histoires avec un reboot de l'univers étendu, cette trilogie a été purement et simplement annulée. Ça faisait sens en même temps. Ça faisait totalement sens. Et j'ai envie de dire à tous les gens qui vont défendre l'univers étendu en disant « Mais c'est pas juste, du coup on n'aura pas le pont avec les romans et le comics ». J'ai envie de vous dire, prenez-vous-en aux écrivains qui n'ont pas su prendre les opportunités qu'ils avaient avant pour faire ce pont. Ils ont voulu trop tirer sur la corde et la corde s'est cassée. Et Disney a bien fait de faire un reboot de l'univers étendu parce que Star Wars, c'est avant tout des films. Les films auront toujours la priorité au niveau des histoires. Pour moi, le reste, c'est du bonus. C'est du très bon bonus, mais c'est du bonus. Et qui, d'ailleurs, ce qui les empêche pas d'aller piocher. Ils se servent de l'ancien univers étendu pour l'intégrer. Dès qu'ils peuvent réintégrer de l'ancien univers étendu, ils le font. Donc c'est très bien. Voilà. C'est pas tout part pas à la poubelle. Enfin, Jenna part à la poubelle pour de bon, je pense. Ben Skywalker. Enfin, tu vois, tu retrouves quand même. Ouais, mais Ben, c'était le fils de Luke. Maintenant, c'est le fils de Han. Et ce que j'adorerais voir, justement, quand notre fameuse post-logie sera finie, j'aimerais bien voir des films avec les Yuuzhan Vong. Ça me plaît. Ouais, je pense que tu peux encore attendre longtemps. Je suis désolé de te dire. Moi, je pense que tu peux t'asseoir dessus. Alien sadomaso qui idolâtre la douleur, c'est pas vraiment dans les plans de Disney. Le côté public de Disney, tu veux dire. Ouais, c'est pas très... Disney, pour moi, ce sont pas aussi... ils ont fait des films violents. Ils ne s'y portent pas tant que ça.
Non mais Disney ont prouvé qu'ils allaient faire des films dark avec Rogue One, mais ils vont pas aller jusqu'à faire un film où les méchants c'est des sadomaso qui aiment bien se frapper et se scarifier quoi. Star Wars Hellraiser, ça peut être marrant hein. Ouais. Si vous en voulez des sadomaso adeptes de la douleur. Mais je pense pas que ça vaut le jour, c'est pas trop. Et puis même les Usain Vong, bah, moi je trouve que c'était des méchants très originaux, ça a changé des sites, c'était très bien. Il y a des gens qui disaient ouais ça c'est pas très Star Wars et je les comprends un peu. Mais j'ai un peu la même impression sur ces bestioles là. Ça m'a toujours fait un peu bizarre ces trucs. Voilà. D'ailleurs ce qui est marrant en fait, celui qui avait amorcé le concept c'était Era Salvatore, et Salvatore en fait il avait écrit la saga de Drizzt, je sais pas si vous connaissez, dans les Royaumes Oubliés. Et en fait quand tu lis les Royaumes Oubliés, en fait il y a plein de créatures équivalentes qu'il avait déjà développées dans la saga de Drizzt, qui m'avait énormément fait repenser. Ouais. Après là où les Usain Vong peuvent survivre entre guillemets à Disney, c'est que le concept des Usain Vong, au-delà que ce soit des sadomaso qui idolâtrent la douleur et qui détestent les Jedi, c'était des ennemis qui venaient d'une autre galaxie et qui étaient là pour envahir toute la galaxie qu'on connaît. Ouais. Et ça permettait d'unifier la République et l'Empire. Et je me dis que si pour les épisodes qui arriveront très certainement 10, 11, 12, eh ben, au lieu de faire revenir le côté obscur, ce serait très original de parler d'une espèce qui vient d'une autre galaxie qui veut tout envahir, et que du coup les gentils et les méchants ils vont s'allier pour pas que la galaxie soit envahie. Quoi. Voilà. C'était vraiment ça l'essence du truc, et ça te permet à ce moment-là de pas être obligé d'attendre 30 ans de refaire à nouveau un passage de relais. Ouais, voilà. Donc ça peut être ça, je trouve ça cool. On va terminer avec le dernier projet abandonné de Lucasfilm. C'est du cinéma, voilà. C'est ce fameux spin-off que Josh Trank aurait dû réaliser. Il était invité en 2015 à la célébration, je ne sais plus combien, peut-être c'était la 7, oui, je crois que c'était la 7. Il devait venir avec Gareth Edwards présenter son spin-off. Donc Gareth Edwards était venu présenter son spin-off. On a eu un premier trailer de Rogue One 2 ans en avance. Et Josh Trank devait venir parler de son spin-off. Et officiellement, il était malade, il pouvait pas venir. Et en fait, il avait attrapé la grippe, le pauvre petit. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que Boba Fett était maudit parce que on a annulé. La série live vidéo. On a annulé la série live. Et on a annulé le film. Voilà. Parce qu'en fait, a priori, Josh Trank devait préparer un spin-off sur Boba Fett. Voilà. Josh Trank devait préparer un film sur un spin-off sur Boba Fett. Le teaser trailer avait déjà été monté. Il était prêt à être diffusé à la célébration. Et au final, tout ça est, alors, en stand-by, je ne sais pas, parce que, à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas la thématique du troisième spin-off. Les deux favoris sont Obi-Wan Kenobi et Boba Fett. Alors, est-ce que Boba Fett sera maudit jusqu'au bout, ou alors est-ce qu'il va revenir sur le devant de la scène avec un spin-off? En tout cas, je me souviens que... En tout cas, ce sera pas par Josh Trank. Non, faut peut-être expliquer pourquoi il a été dégagé aussi. A priori, il a fait un Fantastic Four. Et voilà, il a fait qu'il a quand même pas marché. Et sur Fantastic Four, son producteur était Simon Kinberg, qui bosse aussi sur Star Wars, qui a bossé un peu sur Star Wars, et ils se sont pas très bien entendu ces deux messieurs, donc s'est comporté comme un con apparemment. Donc ouais, en fait oui, il y a eu des histoires de les chiens de l'un bouffent les meubles de l'autre, engueulades dans tous les franchement coins, je sais pas qui croire dans cette histoire. Tout ce que je retiendrai, c'est que le spin-off. Et puis que les 4 Fantastiques étaient quand même lamentables, et que heureusement que... C'est pour un film comme ça, t'appelles pas ça lamentable. C'est encore en dessous du lamentable, quoi. Mais donc, du coup, t'imagines, moi, ça m'aurait foutu les boules. Je me serais dit, putain, il y avait de quoi flipper quand même. Mais le truc, c'est que... spin-off, c'était dangereux en plus. Rogue One, il a rassuré tout le monde, mais encore, tu vois, si tu lis les rumeurs et tout ce que... Même Josh Trank, il a renié le film Les 4 Fantastiques, parce que le film a été remonté par Simon et compagnie. Kinberg, Et Josh Trank avait un autre scénario qui était beaucoup plus fidèle aux comics. Il y a plein de morceaux de son scénar qui sont passés à la trappe à cause de Simon. En tout cas, c'est ce qui se dit. Donc, c'est pas parce que Trank a fait ce film qui est Les 4 Fantastiques qui est maudit qu'il se serait forcément banané sur un Boba Fett. Mais le truc, c'est que la mésentente entre les deux fait que Simon, connaissant Kennedy et bossant pour elle,
Il lui a dit, bah voilà, ce mec-là, c'est une merde. Je veux pas bosser avec lui. Tralala, tout ça. Et donc, Kennedy l'a remercié. Ouais, donc en fait, je pense que dans cette histoire, on sait pas trop qui a raison, qui a tort. À mon avis, les torts sont partagés. Comme avec les deux Chris et voilà, ça a failli être un projet abandonné aussi, ça, du coup. Ouais. Pour le coup. Mais vous, pour le troisième spin-off, votre favori, c'est Boba Fett ou c'est Obi-Wan? Perso, je préférais. Mais le truc, c'est moi, j'ai toujours trouvé, en tout cas dans les séries animées, que Boba Fett était un peu maltraité. Il le faisait un peu passer toujours pour un petit con. Et moi, j'aimerais un film Boba Fett qui se déroulerait entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et qui montrerait un peu. Il y a une BD que j'aime beaucoup qui était dans à l'époque le premier numéro de Star Wars, la BD en saga ou la saga en BD, je sais plus. C'était Delcourt qui publiait et on voit Boba Fett qui accepte une mission payée. C'est après le retour du Jedi où en gros. Le petit Boba, il est plus que l'ombre de lui-même. Il est le dernier représentant d'une espèce qui ressemble un peu à un éléphant de mer, mais qui marche sur deux pattes. En gros, le mec lui donne 10 crédits pour aller buter un ancien général impérial et un savant fou qui passent leur temps à massacrer l'espèce de l'Otari, là. Et Boba Fett accepte, pas parce que c'est Boba Fett et qu'il y a que lui qui peut réussir ce truc-là, et pour que tout le monde recrène, parce que à cette époque-là, tout le monde en gros se fout de la gueule de Boba, et que Boba montre à tout le monde qu'il est encore Boba. Et moi, perso, j'aimerais un film comme ça. J'aimerais un film où en gros, c'est la première mission de Boba qui calme tout le monde. Genre, ce serait une mission qui serait filée par Vador et que seul Boba pourrait réussir. Est-ce qu'il ferait fermer sa gueule à tous les autres sacs à merde de chasseurs de primes de la galaxie qui tirerait finalement, je trouve, Boba des petits groupes de faux chasseurs de primes qu'il utilise, je trouve, dans la série The Clone Wars, et qui le prendrait du fond du trou et qui le mettrait tout en haut de la liste des chasseurs de primes à appeler quand t'as quelqu'un à trouver, quoi. Ouais, mais alors du coup, ce que tu me dis, Sylvain, ça me fait rappeler que la rumeur du spin-off, ça devait être que le début du film, ça commence par Boba Fett, la version Daniel Logan, se fasse tuer. Ça commence comme ça. Ouais, ça commence par le Boba se fait tuer. Et en fait, c'est un autre mec qui prend l'armure et qui devient Boba Fett. Et qui se fait. Et en fait, le Boba Fett de la trilogie originale, ça aurait été en fait le mec qui a tué le clone de Jango. Alors, ça, quoi. C'est le truc que je déteste. Ça a été créé sûrement par un mec qui n'aime pas la gueule de Daniel Logan. Honnêtement, je m'en fous. Moi, j'aimerais quand même un film un peu qui redore le blason finalement de Boba et qui nous montre pourquoi il est recruté par Vador, pourquoi il est aussi chez. Pourquoi pas Jabba, de désintégration parce... Ouais, pas de désintégration. Qu'on nous montre vraiment Boba Fett dans ses grandes œuvres, quoi. Voilà. Et toi, du coup, Thomas, ton favori, c'est Obi-Wan. Concernant, mon favori, c'est également Boba Fett. Ne serait-ce que parce que j'ai mon petit qui est à fond dans le personnage de Boba Fett. Je vais mettre un mais quand même. Dans Boba Fett, ce que j'aimerais adorer voir, c'est ce qu'a dit Sylvain. J'aimerais pas qu'on me le remplace, quoi. Parce que, enfin, franchement, non. Boba Fett, du coup, ça doit rester le perso qu'on a développé à la base, et dans le film et dans The Clone Wars. Et voir le genre de truc que Sylvain disait. Et j'aimerais bien le voir en lien avec la pègre. Le voir croiser des huttes, le voir traîner dans les bas-fonds, etc., etc. Donc ça, ce serait énormissime. Ça sous-entend que c'est un peu plus dark. Par contre, je mets un mais. Si le spin-off de Obi-Wan avait comme opportunité de nous présenter la fin de tout l'équipage du Ghost et de Ahsoka, avec une fin super honorable où ils croiseraient Vador ou un truc de fou, ils font une mission de dingue à la fin, là,
je crois que je préférerais voir les persos de Rebels et Ahsoka en vrai. Je trouve que ça les canoniserait au maximum, quoi. Et à ce moment-là, si le Obi-Wan il se tourne de cette manière, là, je valide pour Obi-Wan. Voilà. Donc c'est une réponse de Normand. Eh ben, Boba Fett est très populaire ce soir parce que moi aussi, mon favori, c'est Boba Fett. Ça fait longtemps qu'on parle d'un spin-off sur lui. Ça en devient un serpent de mer. Et j'adorerais moi voir un film qui commence par sa sortie du Sarlacc. Ce serait génial. Parce qu'il meurt vraiment trop bêtement dans le film. Et je suis d'accord avec vous, je trouve que le remplacer, que ce soit en fait un usurpateur qui tue le vrai Boba Fett, qui reprenne l'armure, je suis pas fan du tout de l'idée. Et puis ils peuvent reprendre l'acteur du clone. Non, par contre, j'ai pas envie qu'ils reprennent Daniel Logan du tout, j'ai envie qu'ils reprennent un vrai acteur. Non, il est trop vieux là. Temora là, il a 60 balais, je crois. Ouais, non, mais. Si ça se passe dans la période entre le 6 et le 7, ils enlèvent jamais son casque et puis voilà. Mais après je veux vraiment voir aussi un spin-off Obi-Wan parce que Ewan McGregor est génial dans le rôle. Mais du coup, ce que je veux, c'est qu'en fait, on ait les deux spin-offs parce qu'a priori ils vont pas s'arrêter à 3. Pour la phase 2. Voilà, ils vont pas s'arrêter à 3, donc j'ai envie que le troisième soit Boba Fett et que le quatrième soit Obi-Wan. Et surtout, ce que j'ai envie, c'est que l'année prochaine, dans le spin-off sur Han Solo, Boba Fett fasse une apparition. Ce serait totalement logique. Parce que voilà, on a l'impression que Han Solo et Boba Fett se connaissent un peu, ils ont quelques précédents, et si Han Solo évolue dans la pègre, ça serait totalement logique qu'on voit Boba Fett dans le film, et je serais très déçu s'il fait pas ne serait-ce qu'un petit caméo dedans. Voilà. Tout à fait d'accord. Et moi, j'aurais bien aimé quand même voir un petit peu faire un début du film, tu sais, au moment où il ramasse le casque de son père. Ouais. Ça peut être... Et la tête, elle tombe. Et que en même temps, ça permettrait d'avoir un film qui relie les trois trilogies en fait. Tu vois. Ouais. Un film à trois époques. Quoi. Exactement. Ouais, avec tu vois une timeline qui avance avec des ellipses temporelles, voilà. Et surtout, moi j'aimerais bien. Mais alors, de toute façon, là, on est encore là hein, sur cette histoire. Est-ce qu'il y aura une phase 2? Moi, j'en suis quasiment certain. Je suis quasiment certain. Moi, j'appellerai pas ça une phase 2, j'appellerai ça plutôt une génération, une autre génération, parce que c'est de ce que j'ai compris en fait des différents discours de Kennedy, c'est que ces trois films-là seraient un seul arc, et puis si d'aventure il devrait y en avoir d'autres, on retrouverait pas forcément les mêmes personnages. Donc je parlerai pas de phase comme avec Marvel, mais vraiment de génération. De Star Wars, on est déjà à la phase 3, avec la troisième trilogie, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de tous les projets abandonnés par Lucasfilm. Il y en a certains qu'on regrettera, d'autres qu'on regrettera un peu moins. En tout cas, on attend vos commentaires sur la page de Star Wars en direct pour nous dire quel est le projet qui va vous manquer le plus, que vous regrettez le plus et celui que vous regrettez le moins. Pour terminer l'émission, un dernier mot de conclusion chacun, mais assez bref, sur tous les projets que Lucasfilm a abandonnés. Est-ce que vous pensez que c'était de bonnes ou des mauvaises décisions? Ils ont surtout perdu un fric fou. C'est ça qui m'étonne, quoi. Ils ont, c'est pas des projets, pour les trois quarts, c'est pas des projets abandonnés, juste au niveau de l'idée, juste après avoir fait un ou deux concept art, où c'est stress, il y a du boulot, la série live, il y a du boulot, les films aussi, il y a du boulot. Donc c'est vraiment un gouffre financier que j'ai, une perte de fric que je trouve toujours super délirant et que je vois pas dans d'autres sociétés, quoi. Et toi, Thomas, t'en penses quoi de tout ce qu'on a dit? Eh ben moi, c'est vrai que le projet favori, c'est quand même ça reste la série live. Et c'est vrai que s'ils pouvaient en plus aller chercher ces fameux scénarios qui soi-disant, ça se trouve il y a que dalle, hein, qui soi-disant sont réalisés. En plus, du coup, Lucas y avait participé à l'époque, donc il y a mis un peu de son âme, un peu de son essence. C'est comme quand on va chercher les arts de Ralph McQuarrie, aller rechercher ces scénarios de Lucas, quitte à les réadapter. Ce serait créer une série live un peu plus Star Wars encore que les nouvelles créations là. Ouais. Ce serait vraiment cool, quoi. Ouais. Et moi, je reçois Sylvain. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été perdu de manière pas très logique. Il y a beaucoup de projets qui méritent encore de voir le jour et où j'ai encore des espoirs, surtout pour Star Wars Detours. La série live, je suis sûr qu'on la verra un jour. Pas tout de suite, mais je suis sûr qu'elle arrivera un jour. Voilà. Donc moi, ce que j'espère, c'est vraiment que Star Wars Detours sorte d'un placard un jour et qu'on puisse regarder ça et se dire
c'est quand même vachement bien. Surtout oui. que ça leur coûte moins cher. Quoi. Ça leur coûterait pas cher. Surtout et ça leur ferait de l'argent. Moins cher, quoi. Et ça leur ferait de l'argent. C'est quasiment fait. Voilà. Donc Sylvain, dis-moi comment on peut te joindre. Via le Facebook de Star Wars en direct, sur mon fil Twitter Sylvain Game Alive, via le site Game Alive, et puis via mon Facebook personnel Sylvain Morgan. Voilà, c'est tout. Et toi Thomas ? Alors me concernant, moi l'usager Tom & Rosis sur, sur Facebook. Et moi, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Planète Star Wars et sur mon compte Instagram StormySeb. Les prochaines émissions Star Wars en direct seront une nouvelle émission littérature avec, avec toi Thomas et ton acolyte Loïc. Et très certainement une nouvelle émission collector avec toutes les nouveautés du San Diego Comic Con. Vous pouvez me retrouver avec Raphaël. Sachez qu'on recrute toujours des monteurs sonores pour monter Star Wars en direct, parce que c'est beaucoup de travail d'animation, mais c'est aussi beaucoup de travail de post-production, parce que là, on n'est pas en direct, donc on fait des reprises des fois, il y a des coupes, des choses comme ça, de la musique à rajouter, tout ça c'est du travail. Donc si vous êtes motivé, que vous voulez partager votre passion et rejoindre notre équipe, et ben contactez-nous sur la page de Star Wars en direct. Je remercie tous nos partenaires, à savoir siteclan.net, Planète Star Wars, Mightinbox.net, Star Wars Universe, Star Wars Holonet, et Génération Star Wars et Science Fiction, et Making Star Wars France, les petits nouveaux qui ont rejoint les partenaires. J'aimerais remercier toi, Sylvain, Thomas, parce qu'on a pu faire une émission assez rapidement dès qu'on a eu cette idée. Ça s'est vite mis en place. Je fais un petit coucou à ma chérie Camille qui est très patiente, qui attend de pouvoir manger le temps que je finisse d'enregistrer l'émission depuis 2 heures. Donc voilà, donc le mot de la fin. De la part de Sylvain, Thomas et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.